Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ceux qui ont jeûné aujourd'hui ont bien mangé, se sont bien reposés. À tous ceux et toutes celles qui ont été en action aujourd'hui à Paris, j'espère que ça s'est bien passé, ou en province aussi. J'espère que vous allez bien, que le moral va bien, la famille ça va. Bon, tant mieux, Caïs. Salut, Salam Saïd, salut Patou, salut camarade Yannick, comment vont les constituants du 93? Force et honneur à toi et à ton groupe. Salam Slim, salut Alan. Sab Charline, salam Souleyman, j'espère que ça s'est bien passé aujourd'hui, que tu as bien mangé. Salam Inès, salam Linda, salam Morad. Ben, moi aussi ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Salam Célia, t'inquiète pas je t'ai vu. Salut Melka, salam Massine, Séverine, Asiba, j'espère que tu vas bien. Bon. Je vais attendre encore un petit peu les amis. J'ai annoncé la thématique, alors bon, c'est pas du tout un exposé, hein. Vous connaissez le principe de ces lives-là. Le principe de ces lives, c'est de parler effectivement d'une... Pas forcément, mais ce soir en tout cas, on va parler d'une thématique, on va échanger. Comme vous le savez, je n'aime pas le monologue, moi j'aime bien l'échange. Il y a quelques éléments que je voulais faire partager sur les autoroutes, sur le scandale du racket fiscal des autoroutes. Si vous avez remarqué depuis quelques jours, je suis sur ça, exclusivement sur ça, parce que je pense que c'est une bonne manière de réunir les gens. C'est une bonne thématique qui va unir, je pense, une bonne partie des Gilets jaunes pendant un moment. Et alors, bien entendu, on n'oublie pas le terrain. Vous avez bien vu que les constituants ont agi sur la France entière aujourd'hui et depuis toute la semaine, et que on est toujours sur différents champs de bataille, sur différentes thématiques, que ce soit la banque, la finance, grâce à nos amis des constituants 93, que ce soit les constituants 92 devant les ministères, que ce soit les constituants de Vendée devant justement des péages, que ce soit les constituants du 68 sur des micro-trottoirs, que ce soit mon équipe à laquelle j'appartiens, ceux du 91 qui sont sur la région parisienne, dans les entretiens, notamment avec Monsieur Plaquevent et l'arnaque Soros. Donc ça a bougé un petit peu cette semaine, et franchement, félicitations amis constituants, vous avez bien fait bouger les choses, et j'espère vous rejoindre très prochainement sur le terrain. Très bien, bah, nous allons commencer les amis, donc bonsoir à toutes et à toutes. Voilà, ça fait un moment en fait que je me pose des questions sur le groupe Vinci, ça fait un moment en fait que je creuse, que je cherche des dossiers sur ce groupe-là, alors pas que sur Vinci, sur Eiffage, sur la société SANEF, dont monsieur Alain Minc, notre cher oligarque Alain Minc, fait partie du conseil d'administration de cette même société, voilà, et les filiales de Vinci, Cofiroute, Escota, etc. Donc les amis, pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Parce que tout simplement, que fin novembre, début décembre, quand les Gilets jaunes se sont lancés... à l'assaut de l'oligarchie et du système, quand ils se sont lancés pour critiquer ce système dans son ensemble, et les problématiques qui vont avec, taxes carburant, le frigo vide, le racket fiscal, les impôts, etc., etc., la dette nationale. Donc, par rapport à ça, si on revient à ce principe-là et aux premières actions qui ont eu lieu au sein même des Gilets jaunes d'une manière générale, sur tout le territoire national, on remarquera que les actions faites sur les péages sont les plus probants, au-delà du rond-point, au-delà des blocages classiques des raffineries. Pourquoi? Parce que ces actions-là sur les péages, elles unissent tout le monde. Moi, je me rappelle avoir assisté à des actions sur Fleury-en-Bière. Fleury-en-Bière, bon, c'est un péage dont la concession, une partie de la A6, la concession appartient à l'APRR, qui est une filiale de Eiffage, et Eiffage est le groupe concurrent de Vinci. Bon, de toute façon, ils se partagent le gâteau, hein. Ces deux grosses boîtes du BTP se partagent le gâteau des 9000 km d'autoroute et les concessions qui vont avec. Donc, voilà. Et je trouve pertinente ce genre d'action parce que ça unit les gens. Vous prenez n'importe quel gilet jaune, quel que soit son bord politique, ses pensées politiques, quelles que soient ses aspirations, son dégoût de la société ou ses envies de changer la société, vous verrez que très souvent, les péages, les autoroutes et le scandale de la privatisation des autoroutes fait consensus au sein des Gilets jaunes. Donc, à partir à partir de ce constat, les amis, je pense qu'il est temps d'agir. Je pense qu'il est temps d'agir et je fais un appel. Je fais un appel national à tous les gilets jaunes encore valides, encore mobiles, qui se bougent encore le cul dans les manifs, dans les actions, dans les rencontres avec les élus, dans les manifestes, dans les écrits, sur Internet, etc. Franchement, les amis, il est temps de s'unir sur une action qui pourrait faire grandement avancer les choses sur le front actuel de notre guerre vis-à-vis de ce gouvernement illégitime et de cette oligarchie illégitime. Et donc, par rapport à ces péages, pourquoi? Parce que les péages, les amis, ont été vendus à vil prix et à vil profit par le gouvernement socialiste de l'époque, qui s'appelait Monsieur Jospin, alias Monsieur Jospinski, lui-même issu de la Fabian Society. Je reviendrai plus tard sur la Fabian Society. Enfin bon, voilà, ce sont des groupes de pensée dont Jospin en est issu. Et Monsieur Jospin a trouvé bon de commencer la privatisation des autoroutes bien avant 2005, dans fin des années 90, notamment avec la société ASF, les autoroutes du sud de France. Voilà, il a commencé à ouvrir le capital, donc ça a été le début de la fin pour nous tous. Et puis en 2006, Monsieur de Villepin, ce traître de Villepin, a lancé la privatisation finale de nos autoroutes, 9000 km d'autoroutes, concédées à la société SANEF, à la société Eiffage, et bien entendu, la plus grosse part du gâteau, près de la moitié de la concession d'autoroutes, la société Vinci, les amis, la société Vinci, voilà. Donc, voilà pourquoi, voilà pourquoi on s'attaque, bien entendu, à ce problème. Parce que les amis, en s'attaquant au problème du péage, en boycottant les autoroutes et en prenant les nationales, non seulement la France va se bloquer d'elle-même, et là je rejoins mon camarade constituant de Vendée, voilà, donc, Jean-Mi, si tu m'écoutes, suite à ton action d'aujourd'hui, ça nous a donné beaucoup d'aile, clairement, ça nous a donné beaucoup de punch, donc merci à toi en tout cas Jean-Mi. Et franchement, ce que tu as fait aujourd'hui avec tes deux camarades constituants de Vendée, ça a été vraiment, vraiment un exemple pour nous. Et merci à toi de nous secouer en cette période où on a tendance à s'endormir. Merci à toi, en tout cas, l'ami. Donc voilà, et pour revenir sur ce que je disais, donc on va s'attaquer à ce problème d'autoroute. Parce que ce problème d'autoroute, c'est quand même 14 milliards de dividendes, 14 milliards de dividendes partagés depuis 5 ans entre les trois grosses sociétés que sont la SANEF, Vinci et Eiffage. 14 milliards d'euros de dividendes. Les amis, quand même, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, on leur a vendu pour à peu près le même prix, hein, je crois qu'on leur a vendu pour 15 milliards. C'est-à-dire que le gouvernement Villepin, à l'époque, Villepin avait vendu les autoroutes pour 15 milliards d'euros de concessions aux sociétés privées. Et ils ont plus que rentabilisé cette donne depuis 2006, les amis. C'est une évidence. Donc voilà. Je vous le rappelle aussi également que les sociétés d'autoroutes sont aujourd'hui avec les lobbies pharmaceutiques les sociétés qui produisent le plus de profit en France. Et oui les amis, le plus de profit en France. Donc nous n'avons pas de droit de péage à donner, c'est du racket que l'on subit, c'est du racket. Et ce racket doit cesser les amis, doit cesser absolument. Donc ce soir je vais vous faire partager les amis l'avancement du dossier autoroute, puisque je compte bien constituer un gros dossier, et je peux vous assurer que nous constituants, et y compris beaucoup de gilets jaunes, vont très prochainement passer à l'offensive. Et là, on va reprendre l'initiative, les amis. Le même engouement qu'on a connu depuis novembre et décembre, et qu'on a perdu depuis très longtemps, parce que nos leaders gilets jaunes ont la responsabilité aujourd'hui du fait de notre stagnation. Je sais que certains sont peut-être sincères, mais que d'autres le sont moins. Donc je fais un appel à eux, prenez vos responsabilités et faites en sorte que toutes nos troupes puissent retourner au front et se mobiliser de nouveau, clairement. Bon, voilà les amis. Alors, donc voici. Le groupe Vinci, c'est quoi le groupe Vinci les amis? On va faire un petit tour d'horizon sur le groupe Vinci, qui est le premier groupe de BTP en France, n'est-ce pas? Et le deuxième en Europe, si mes souvenirs sont bons. Alors, Vinci a été créé en 2000, suite à une fusion d'entreprises, qui est née le siècle dernier, en 1899, vous voyez. Donc ça a été créé en 2000, Vinci, pour répondre évidemment aux multiples marchés qui allaient s'ouvrir. Non seulement Vinci est leader dans les parkings souterrains, Au niveau du BTP, devant Bouygues, hein, je vous rappelle qu'ils sont passés devant Bouygues, hein, donc un oligarque passe devant un autre. Xavier Huillard qui passe devant la famille Bouygues, c'est pas mal. Donc voilà, alors... Ils sont actionnaires à la bourse, chez Euronext, ça va de soi. Les fondateurs, Alexandre Giraud et Louis Loucheur, je vous invite à faire des recherches sur eux au siècle dernier. C'est pas forcément important, mais bon, il y aurait des choses à dire. Le siège social est à Rueil-Malmaison, si vous voulez leur rendre une petite visite, les amis. Voilà. Rueil-Malmaison, un cours Ferdinand de Lesseps, 92 500, Rueil-Malmaison. L'actuel PDG est Xavier Huillard. Xavier Huillard qui a pris la place de monsieur Antoine Zacharia. Alors là, sur Antoine Zacharia, les amis, je vous demande vous-même de faire vos recherches. Vous allez taper sur Wikipédia, sur Internet, tous ensemble. Allez regarder qui est Antoine Zacharia. C'est l'homme des bons coups, hein. Il a fait pas mal de coups fourrés. Et il s'est arrangé plus de 250 millions d'euros de parachutes dorés. 250 millions d'euros de parachutes dorés. Les sources sont de Wikipédia. Je vous invite à aller faire votre recherche. Antoine Zacharia, qui a donc laissé sa place à monsieur Xavier Huillard. Xavier Huillard est un énarque éminent, connaissant les milieux macronistes. Donc je vous invite à aller voir son pédigré. J'en reviendrai dans un prochain live spécial Xavier Huillard, qui je considère aujourd'hui faisant partie de la plutocratie, donc de l'oligarchie. Voilà, on va s'intéresser aux actionnaires, les amis. C'est là que ça va devenir très intéressant. Donc les actionnaires de Vinci, c'est 9% de salariés, autocontrôle 7,2%, les actionnaires individuels 7,7%, les investisseurs institutionnels français 14%. C'est quoi les investisseurs institutionnels français? Eh ben ça va être la Caisse de dépôt des consignations, par exemple, vous voyez. Ça va être des institutions comme ça. Ensuite, investisseurs institutionnels hors français. Il me semble, aux dernières nouvelles, que la Caisse de dépôt du Québec avait investi également dans le capital de Vinci. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le Qatar Holdings LLC, 3,8%. Et je vais revenir tout à l'heure sur la Qatar Holding, qui est une filiale de Vinci, et vous allez voir pourquoi je vais parler principalement du Qatar tout à l'heure. Pour une société qui se dit moraliste, hein. Donc les activités, industrie, tertiaire, infrastructure, télécommunications, il n'y a pas de souci. On va s'intéresser aux filiales maintenant, les amis. Vinci Concessions, bah c'est les autoroutes, enfin une partie des autoroutes, avec les aéroports. Vinci Énergie, Eurovia, Vinci Construction, Vinci Airports. On va en revenir tout à l'heure, les amis, avec la privatisation d'ADP. Vinci Autoroutes, Vinci Facilities, Stade de France, Walbert Pologne, Citeos, Eco Vivo. Vinci Facilities, Vinci a investi lourdement dans des studios pour étudiants, et j'en reviendrai tout à l'heure. 211 000 salariés dans le monde, une capitalisation de 43 milliards d'euros, un chiffre d'affaires annuel de 43 milliards d'euros. C'est l'équivalent du deuxième poste de dépense de l'État français, c'est-à-dire les intérêts de la dette nationale. Voilà. Résultat net, c'est-à-dire sans le chiffre d'affaires, dans les poches des dividendes des actionnaires, 2,9 milliards d'euros distribués aux actionnaires. Très bien. Vinci Autoroutes. On va passer aux autoroutes, les amis. Ben oui, Antoine Zacharia. Intéressez-vous, les amis, à Antoine Zacharia et son réseau. Vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Mais je reviendrai dans un autre live sur vraiment les gros oligarques des sociétés. Et vous allez comprendre mieux. Là, pour l'instant, je parle de la société en elle-même. Donc, créé en 2009, évidemment, avec l'émulation et la privatisation à tout va des autoroutes depuis 2006, n'est-ce pas? Avec, en préalable, Eiffage et la SANEF. Je reviendrai tout à l'heure sur ces sociétés-là, pardon. Ensuite, les amis, le slogan « Roulons autrement ». Roulons autrement. Roulons autrement. Bah, effectivement, nous, on a envie de rouler autrement, tu vois. Ça, c'est clair. On va rouler autrement et on va rouler gratuitement, surtout. La direction, les amis, Pierre Coppet, qui a été nommé par Xavier Huillard pour diriger le groupe Vinci Autoroutes et Vinci Concessions. Monsieur Pierre Coppet, il y aurait des choses à dire sur lui, mais c'est pas le propos de ce soir. Je reviendrai ultérieurement sur un live sur Pierre Coppet, qui également président d'une association humanitaire. Bah oui, le monsieur se recycle, forcément. Vinci Autoroutes, les amis, c'est 4 385 km d'autoroutes concédées sur les 9000 au total. Le reste étant partagé, évidemment, entre la société Eiffage et la société Abertis, qui détient la SANEF avec monsieur Alain Minc. Les filiales, les 4 sociétés qui sont au sein même de Vinci Autoroutes, sont, et vous les connaissez très bien, ASF, Cofiroute. Cofiroute qui, nous, dans le 91, nous connaissons bien, puisque c'est une partie de Saint-Arnoux, et le péage de Dourdan-Longvilliers, n'est-ce pas? Escota et Harcourt, qui sont des sociétés du sud de la France. Voilà. On va revenir, je vous fais toujours un petit tour d'horizon de la société, les amis. Et là, ça devient intéressant. Vinci Airports. Eh ouais, les amis, Vinci possède des aéroports dans le monde entier. C'est pour ça, en fait, moi, ça m'avait mis la puce à l'oreille quand j'avais entendu que Vinci s'était positionné pour racheter ADP. Qu'est-ce qu'on remarque? Vinci Airports est une filiale de Vinci Concessions, n'est-ce pas? Elle exploite un réseau de 45 aéroports dans 12 pays. 45 aéroports dans 12 pays. Donc franchement, ADP, c'est juste une anecdote, en fait, par rapport aux 45 aéroports que possède Vinci Airports. Voilà, les amis. Donc, effectivement, on est de vrais moutons. Alors, il se trouve que Airports Vinci possède 12 aéroports en France, les amis. 12, vous le voyez, 12 en France, 10 au Portugal. La majorité des aéroports portugais sont sous possession de Vinci. Donc, merci au gouvernement portugais ultralibéral d'avoir vendu le pays aux plus offrants et aux oligarques. C'est sympa, c'est génial. Alors, 5 aux États-Unis, ben tiens... 3 au Cambodge, ah ben on investit dans les pays de l'Asie du Sud-Est, c'est très bien ça. 6 en République Dominicaine, forcément avec l'explosion du tourisme là-bas. 1 au Chili, 1 au Brésil, 1 en Serbie, 1 en Royaume-Uni. Alors c'est pas le Heathrow de Londres, mais c'est l'autre. 1 en Suède et 1 au Costa Rica. Voilà. Ensuite. Alors, les fameux 12 aéroports français que possède Vinci. Alors, on va les faire, les amis. On comprend mieux pourquoi ils veulent rafler la mise avec avec ADP, l'aéroport de Paris, puisque Vinci Airports dirige Lyon-Saint-Exupéry, Nantes-Atlantique, Rennes-Bretagne, Toulon-Hyères, Clermont-Ferrand-Auvergne, Grenoble-Isère, Chambéry-Savoie, Dinard-Bretagne, Poitiers-Briard, Saint-Nazaire-Montoire, Lyon-Bron et Pays d'Ancenis. Voilà. Donc il n'est pas étonnant que le groupe Vinci veut s'accaparer tous les aéroports de France en concurrence avec Eiffage. Si mes souvenirs sont bons, Eiffage ou la SANEF, non je crois que c'est la SANEF, possède l'aéroport de Beauvais. Voilà les amis, donc il n'y a pratiquement plus rien de public en France en termes d'aéroports. Il n'y a pratiquement plus rien de public en aéroport et pratiquement plus rien de public en autoroute. Est-ce que vous vous rendez compte les amis de la gravité de la situation? Ces gens-là se font du beurre sur nous depuis des années. Je suis désolé, les aéroports n'ont pas à être privatisés. Les autoroutes, pareil, ceci doit être la possession du peuple, point barre. Si Vinci veut se faire du fric, ils s'en font. Ils s'en font sur le BTP, sur la construction, il n'y a pas de problème, c'est normal, faut respecter quand même un certain cadre économique. Mais de là à vendre tous nos aéroports, tout ce qu'on possède de bitume, c'est hors de question. Il faut qu'on mette fin à ça, les amis, c'est juste hors de question. On va continuer, les amis, notre tour d'horizon. D'accord? On va continuer notre tour d'horizon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Qatar? Là, j'ai eu la puce à l'oreille. J'ai eu la puce à l'oreille parce que, ayant moi-même voyagé au Qatar il y a quelques temps de cela, j'ai pu m'apercevoir de la condition des ouvriers sur place. Et là, c'est juste un scandale. C'est juste un scandale. Donc, sur ce qui s'est passé... on comprend mieux parce que là, pour revenir un petit peu en arrière, je vous expliquais que Vinci possédait 45 aéroports dans le monde, donc 45 aéroports, dont 12 en France. Et effectivement, Vinci est donc un groupe mondial, c'est la multinationale du BTP, c'est un des plus gros groupes mondiaux. Ils vont bientôt passer numéro 1, je sais pas si vous savez les amis, et c'est un groupe français. Donc, alors, les mêmes Vinci, qui possèdent maintenant 4300 km d'autoroutes françaises, qui nous font payer ça, mais vraiment à prix d'or, à prix d'or. Et bien maintenant, on se rend compte que ces messieurs nous font des petits chantiers à droite et à gauche, dans le monde entier. Et Vinci a répondu à un appel d'offres au niveau du Qatar pour construire les fameux stades de la Coupe du Monde 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ONG Sherpa a porté plainte, les amis, a porté plainte le 22 novembre 2018 pour travail forcé, réduction en servitude, traite des êtres humains, travail incompatible avec la dignité humaine, mise en danger délibérée, blessure involontaire et recel contre Vinci et sa filiale Qatar Holdings LLC. sa filiale Qatar Holdings LLC qui possède 3,3% du capital de Vinci. Voilà. Alors, on va lire ce qui s'est passé. Donc Sherpa, qui est une ONG internationale qui lutte contre toute forme d'esclavagisme humain, a porté plainte contre la filiale de Vinci au Qatar, donc pour la construction de ces stades. Pour cette nouvelle action en justice, l'ONG appuie sur des nouveaux éléments, notamment les témoignages d'anciens employés indiens et népalais. Voici ce qui est écrit. « J'ai signé un contrat dans une langue que je ne connaissais pas, et quand je suis arrivé au camp, ils ont pris mon passeport, je savais que je n'avais pas le choix. » Témoigne ainsi l'un des plaignants. Très bien. Bah, c'est super ce que fait Vinci à l'étranger en fait. C'est vraiment génial. Selon l'enquête de Sherpa, les ouvriers migrants de Vinci travailleraient entre 66 et 77 heures. Je répète, entre 66 et 77 heures. Putain, ici, si on dépasse 35 heures, je peux t'assurer que le moustachu Martinez débarque direct et va taper du poing sur la table. Enfin, on sait que ça sert à rien, son poing sur la table. Mais bon, pour la scène de théâtre, on sait ce que ça vaut au niveau du syndicalisme français. Donc je vous raconte pas s'il verrait ça au Qatar, les amis, clairement. Bon, on continue. Allez, 66 et 77 heures par semaine, entassés dans des chambres exiguës, aux sanitaires insuffisants, percevant des rémunérations sans rapport avec le travail fourni, menacés de licenciement ou de renvoi dans leur pays en cas de revendication. Et ça, les amis, c'est Vinci. C'est Vinci, à travers sa filiale Qatar Holdings LLC, c'est Vinci qui connaît parfaitement comment se passent les conditions de travail au Qatar au niveau de ses ouvriers. Et je peux vous assurer que Vinci, normalement, se doit de respecter quand même une certaine déontologie. Eh ben non, il laisse ses ouvriers, évidemment ça coûte pas cher, la main d'œuvre est pratiquement gratuite, 66 à 77 heures les amis. Est-ce que vous vous rendez compte de travailler 66 heures par semaine minimum? Est-ce que vous vous rendez compte les amis? Je continue. L'ONG ajoute à cela les conditions de travail, l'entreprise de BTP manquerait d'équipement pour protéger ses ouvriers contre la chaleur entre 40 et 50 degrés l'été, ça va de soi. Voici ce qui est écrit. Au Qatar, travailler dehors pendant la saison chaude est un réel risque à cause de la chaleur et de l'humidité. J'ai vu des personnes vomir et tomber comme ça sur le sol, détaille un autre témoignage recueilli par l'ONG. Beaucoup décrivent des collègues qui sont tombés d'un coup d'une crise cardiaque qu'on enregistre chez Vinci, donc voici comment Vinci enregistre les décès, comme des morts naturelles. Eh oui, forcément. Forcément, on cherche pas à connaître les explications, les tenants, les aboutissants. Confie à Europe 1, Marie-Laure Ghislain, responsable du contentieux au sein de Sherpa. Et ce n'était pas fini parce que bien avant 2018, en 2015 déjà Sherpa avait averti des déroutes et des dérives du groupe Vinci. Ce n'est pas la première plainte déposée par Sherpa. Dès mars 2015, une plainte avait été déposée contre Vinci et sa filiale au Qatar. En février, l'enquête préliminaire a été classée sans suite. Face aux accusations de Sherpa, Vinci avait déposé plainte de son côté pour diffamation. Voici la source, les amis. Comme quoi, je l'invente pas. Franceinfo.fr. Je vous assure qu'il y a une dizaine de sources différentes. Hein. Marianne, Le Parisien, Nouvel Obs, etc. J'ai choisi France et Info comme source marquée ici pour la simple et bonne raison que c'est un organisme public. Voilà. Donc, il fallait faire un choix. Donc voilà les amis, et ça je vous assure que c'est rien, parce que quand on va creuser le scandale des autoroutes en France, vous allez voir que Vinci c'est du gâteau, hein. Vinci c'est rien du tout franchement. Hein. Quand on va s'intéresser à Eiffage et à la SANEF avec Alain Minc, vous allez voir c'est intéressant. Donc les amis, pour cette première partie d'explication, de tour d'horizon de ce que c'est Vinci. Voilà, Vinci, j'avais oublié de vous préciser les amis. Vous êtes tous au courant, il y a eu beaucoup d'actions qui se sont réalisées, notamment avec nos amis d'opération Gilets Jaunes spéciales, qui sont partis sur Roissy pour faire en sorte que tout cela cesse et demander un référendum pour qu'il puisse y avoir discussion à l'Assemblée nationale et arrêter la privatisation de l'aéroport de Paris. Je vais revenir sur les aéroports de Paris, les amis. Voici ce que j'ai découvert. Vous pouvez voir sur Wikipédia, il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour trouver ça. Vinci Airports est également actionnaire d'aéroports de Paris à hauteur de 8%, les amis. 8%, ils étaient déjà dans le capital. Vinci était déjà dans le capital d'ADP. Donc il est parfaitement logique que ça soit eux qui étaient le mieux placés pour remporter le marché à la privatisation d'ADP. C'était une évidence. Donc ça veut dire quoi tout ça, les amis? Ça veut dire que c'était planifié d'avance. C'était planifié d'avance. Xavier Huillard connaissait très bien Jospin à l'époque. Xavier Huillard connaissait très bien Fabius, parce que Fabius aussi a fait partie du plan de privatisation des autoroutes, tout comme M. de Villepin. Tout ça, encore une fois, ce sont les réseaux oligarchiques qui préparaient ça depuis longue date, les amis. Depuis longue date. Et ça, c'est scandaleux. Ça, c'est scandaleux. C'est clairement scandaleux, les amis. C'est clairement scandaleux. Donc voilà, les amis. Étant donné qu'ils ont déjà 12 aéroports en France, Vinci ne va pas s'arrêter là. Forcément qu'ils l'auront, ADP, si on fait rien. Forcément qu'ils l'auront. Alors, les amis, vous avez vu comment ça a payé la mobilisation pour ADP. On est parti devant le Sénat. On est parti à Roissy. Tout le monde s'est mobilisé contre cette vente-là. Eh ben, pourquoi on fait pas la même chose pour les autoroutes, les amis? Pourquoi on fait pas la même chose pour les autoroutes? J'ai fait une petite recherche. Il se trouve qu'on devrait débourser, l'État devrait débourser, donc nous, l'État c'est nous, on devrait débourser 40 milliards d'euros pour récupérer les autoroutes aux sociétés privées. C'est-à-dire 20 milliards d'investissements et 20 milliards de compensation financière pour les autoroutes si on les rachète avant la fin de concession. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Il nous faudrait 40 milliards d'euros pour racheter ces autoroutes, pour les renationaliser. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et ce qui veut dire, les amis... Ce qui veut dire, les amis, que tout simplement, et je vous rappelle le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, il suffit de lire Le Parisien en date de 2014, vous allez sur moteur de recherche, sur Le Parisien, 2014, Le Parisien a écrit un excellent article, pour une fois d'ailleurs, qui démontre que l'État a déboursé 15 milliards d'euros, enfin, pardon, l'État a gagné de l'argent 15 milliards d'euros, les sociétés d'autoroutes ont racheté pour 15 milliards d'euros, c'est-à-dire Eiffage, la SANEF et Vinci, ces trois principales sociétés d'autoroutes, ont racheté pour 15 milliards d'euros à l'État français les concessions de 9000 km d'autoroutes. D'accord? 15 milliards d'euros. Et ils ont demandé à la condition, c'était que les sociétés d'autoroutes dépensent plus de 3 milliards d'euros pour créer des infrastructures et créer des chantiers de travaux publics pour rénover le réseau autoroutier. Et sur les 3 milliards d'euros d'investis, les trois sociétés d'autoroutes à elles toutes seules ont gagné 14 milliards de dividendes, 14 milliards de bénéfices nets, Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? On s'est fait entuber depuis le début. Clairement, on s'est fait entuber. Alors, les amis, moi je continue dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on attend pour leur foutre au cul? Qu'est-ce qu'on attend pour leur foutre un bon coup de pied au cul? Qu'est-ce qu'on attend, les amis, pour bouger nos fesses? Qu'est-ce qu'on attend une fois pour toutes pour reprendre l'initiative? Je vous le rappelle que toutes les autoroutes en France ont été construites dans les années 50, 60 et 70 et qu'elles ont toutes été remboursées depuis très longtemps. Elles ont toutes été amorties depuis plus de 20 ans maintenant. Clairement. Donc, est-ce qu'on va continuer à se faire enfiler ou pas? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on va continuer à se faire enfiler ou pas? C'est la question que je vous pose. Clairement, c'est la question que je vous pose. Voilà. Donc, les amis, clairement, voilà, moi, c'est la première partie du live. Je voulais vous faire montrer vraiment on va dire un premier survol de ce que c'est Vinci. Il y a la suite, vous inquiétez pas. Alors, je rebondis un petit peu sur le fil de discussion. Yannick, camarade, alors rupture de contrat sans frais, 15 milliards et c'est tout en 5 ans, investissement remboursé et hop, bénéfice. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, Yannick. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en recherchant, apparemment, il faut débourser 20 milliards de compensation financière aux sociétés d'autoroutes. 20 milliards. Ce qui n'est pas rien. Donc, le problème, c'est que tu penses bien qu'ils vont pas se laisser faire comme ça. Donc, comment essayer de réagir? Alors, il y a une méthode, apparemment, on pourrait saisir le Conseil d'État. Je vous invite, les amis, à creuser. Moi, on m'a donné cette piste, il faut apparemment saisir le Conseil d'État. S'il y a un juriste parmi vous, manifestez-vous, les amis. J'aurais besoin de conseils juridiques, parce que s'il faut qu'on fasse une demande au Conseil d'État, est-ce que les particuliers peuvent le faire sous forme associative? Est-ce que ça peut se faire comme ADP sous forme de référendum? Essayons de creuser les pistes tous ensemble, les amis, d'accord? Alors, avant de passer à la suite, je vais prendre la première personne. Allons-y. Kevin Thomas. C'est parti, Kevin. Ajout en cours. Ah oui, mais Notre-Dame-des-Landes, c'est la même chose. Picky Madog, Vinci, c'est au rendez-vous. Salut. Salut Kevin. Ça va? Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais te poser une question vite fait. Je t'écoute. Je t'écoute. Elle est... Le contrat dure combien de temps? Parce qu'il y a bien une date. Alors, les recherches, en fait, elles diffèrent. Moi, j'ai trouvé 2025. Il y a une autre recherche qui me dit 2033. Donc, en fait, je pense que ça dépend des sociétés d'autoroute. Pour Vinci, en tout cas, je crois que c'est 2025. Pour Eiffage et les autres, je ne sais pas encore. Je n'ai pas de certitude. Je suis encore en train de chercher. Le dossier n'est pas finalisé, clairement. Mais moi, pour moi, ça serait ouais, dans les années 2020, 2025. Et le problème, c'est que ça a été rallongé récemment. Ça a été renégocié en secret récemment. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, on s'est bien fait carotte, en fait. Tu sais qui c'est qui l'a rallongé? On n'est pas. Tu sais bien qui c'est? Eh bien, sous le gouvernement Hollande. Ce traître de Hollande qui avait promis, qui était une promesse de campagne, de renationaliser les autoroutes et de cesser les concessions. Et boum, lui, il est reparti pour 3 ans. Et après, ça a été reprolongé. Je ne sais pas par qui, donc je fais mes recherches. Je vais voir voilà, quel est le traître. C'est une petite tête qu'on voit partout à la télé. Bah, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En fait je n'ai pas encore de certitude. Moi, je vais continuer les recherches. Hein. Après, je te dis, après, moi, nous, où j'habite, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème de péage dans ma région. Il n'y en a pas. Ah, bah tant mieux. Franchement, vous êtes privilégiés alors. Ah ouais, mais c'est normal, c'est un traité. C'est un traité, mais un vieux traité depuis des siècles et des siècles. D'accord, mais très bien. Quelle région pas loin de Paris, en province, on ne paye pas les autoroutes? Et c'était un pays autrefois. Ça, c'est super. D'ailleurs, moi, j'ai un exemple le seul tronçon gratuit que je connais, c'est le tronçon Vierzon-Toulouse, si mes souvenirs sont bons. Vierzon-Toulouse ou Vierzon-Limoges, un truc comme ça, sur la… putain, c'est la A71 ou la A20, ah, je ne sais plus, la A71. L'autoroute, en tout cas, qui va de Vierzon à Toulouse, passant par Châteauroux, etc. Donc, voilà. Ouais, moi, je te dis, moi, je vais te dire la région, c'est la Bretagne. La Bretagne, ok. Nous, les autoroutes, tout est gratuit grâce à Anne de Bretagne. Grâce à Anne de Bretagne. Alors là, il faudrait que tu m'expliques. Parce qu'à l'époque, elle avait fait des traités avec la France et des accords en disant que les Bretons n'avaient pas à payer de taxes sur les routes. Bah attends, c'est énorme ce que tu me dis, parce qu'Anne de Bretagne, ça remonte à des siècles. Hein. Bah oui. Après, je ne peux pas te dire la loi, mais c'est grâce à cette loi-là, vieille loi. Je pensais que la Révolution française avait aboli ça. Ah, autant pour moi, alors. Autant pour moi, j'irai me renseigner un peu. Mais putain, c'est génial ça. T'es en train de me dire, qu'en Bretagne, en tout cas Vinci, Eiffage et tout ce tralala là, là-bas ils n'ont pas pignon sur rue. Mais qui c'est qui gère alors? Qui c'est qui gère ces autoroutes là là-bas alors en Bretagne? Alors là, je peux pas te dire tout, je sais pas tout, mais nous on n'a pas de péage en Bretagne. Ah, on a un vers les autres départements, mais on n'en a pas en Bretagne. Tu es en Bretagne, tu n'as pas de péage. D'accord, bah écoute, j'irai me renseigner, mais très, très intéressant, à creuser. À creuser, putain, mais si seulement ça pouvait être dans toute la France, parce que le problème, c'est que là, il y a 9000 km d'autoroutes payantes en France, 9000, sur trois sociétés et leurs filiales, c'est-à-dire Eiffage, Vinci, et Abertis qui possède la SANEF. Et chez Vinci, c'est notamment Cofiroute et Escota. Donc tout ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Non. Ok, mais très bien. Bon, en tout cas, je te remercie en tout cas de ton témoignage. Je ne savais pas. Bah, j'aurais appris quelque chose ce soir au niveau de la Bretagne. Bah, mes amis bretons, si vous pouvez mettre un coup de pression ici à Paris, parce qu'ici, on est vraiment des endormis, ça serait bien que les Bretons, les Basques et les Corses, c'est-à-dire les gros caractères, les grosses personnalités viennent nous remonter un peu les bretelles ici parce que franchement, on est mais mou plus que mou ici. Et après je vais te dire un autre truc parce que moi, sur la route, pas très loin de chez moi, on a des on a des caméras qui servent à faire de la décoration de Noël. Ouais. Tu sais qu'est-ce que c'est? Non, ça ne Dis-moi, te dit rien. explique-moi. Bah, il y avait un petit mouvement qui s'appelait les bonnets rouges il y a quelques années. Ah oui, les Et bonnets c'était rouges, excellent. Excellent. et des péages, pas des péages, on appelle ça des. Je t'entends mal là, mon ami, je t'entends mal. Attends, comment ça s'appelle les trucs là avec les caméras? Ça a un nom? T'as compris? Je t'entends plus. Euh, Moi, je t'entends. Ah, là, Tu c'est un peu m'entends? mieux. Ouais, donc tu disais? Je cherchais le nom tout simplement des trucs, ça avait un nom particulier, c'était les bornes, mais c'était pour les cotates, c'était ça? Oui, les Cotax, oui. Ouais, bah, c'est ça, bah, il y en a encore quelques-uns, mais ça sert à décorer, je pense. Ah bah maintenant oui, mais ça c'est grâce d'ailleurs c'est grâce aux Bretons parce que si les bonnets rouges n'avaient pas bossé à l'époque, ne s'étaient pas mobilisés, aujourd'hui on se ferait carotte avec Ségolène Royal quoi, on se faisait carotte par les Cotax, clairement. Ouais, ça c'est sûr. D'abord, on se fait carotte de partout avec les voitures roulantes là, qui nous radarent, avec leur foutu radar qui nous casse les couilles. Dès que tu fais 1 km/h au-dessus, hop, t'as une Ouais, amende. alors les radars c'est encore autre chose, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais là ce sujet de ce soir c'est vraiment les autoroutes parce que pour le coup bon tu me diras les radars aussi sont sur les autoroutes Bah, donc il y a double quenelle. Mais, mm. euh, mais là, mais c'est extrêmement grave. Alors, je vais continuer, les amis, dans la seconde partie, hein, après ton témoignage. Et Et Je vais te, Vas-y, je vais te laisser dans 30 secondes. Et après, je pense que t'as pas entendu parler du projet de loi qu'ils veulent faire sur les routes nationales. bien Ils nous prennent, sûr, ils veulent privatiser les routes nationales aussi, je suis au courant. Oui. ils nous prennent vraiment pour qui? Pour des vrais salés ou Bah, pour quoi? À des quand? cons, ils nous prennent Et- pour des cons, pour des esclaves, pour des moutons, ce que nous sommes depuis des dizaines, des vingtaines d'années, depuis notre naissance, en gros. Et là, maintenant, on est en train de se réveiller. Donc, nous, on n'est plus des moutons, on est aujourd'hui des gilets jaunes, on a notre dignité, notre honneur, et on va leur rentrer dans l'art. On va leur rentrer dans l'art, les amis. On va arrêter d'être gentil, d'être tiède. Ça fait 6 mois qu'on se bat, putain, sur le terrain. On n'a pas gagné un front. Un front. Le seul front qu'on a gagné, Si. c'est qu'on a retardé la privatisation d'ADP. Donc, félicitations à tous les Gilets jaunes qui se sont mobilisés pour ça. On a essayé d'ouvrir les yeux un petit peu à tout le monde sur certaines réalités. Mais à part ça, on n'a rien gagné. On n'a Mm. strictement rien gagné. Et donc, c'est là maintenant qu'il faut frapper fort. On va frapper fort. Mais on va frapper méchamment. Méchamment dans la légalité, bien entendu, hein. Quand je dis Et nous, méchamment, les c'est de Bretons. dire on est en guerre, quoi, les amis. On est en guerre. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Clairement. Nous, la Bretagne, on est en colère contre l'État, parce qu'on devait faire il devait faire un référendum pour savoir si le 44 devait leur concéder. Je n'ai pas entendu. Tu disais quoi? Le 44, Oui. pour nous les Bretons, c'est, ça appartient à la Bretagne. Le 44, le département du 44. Ah ouais, mais bon, après, ça, c'est une question, tu vois, historique entre les Nantais, les Voilà. Rennais. Enfin. Mais Ah, après, je ne veux c'est pas tout. Mais rentrer après, là-dedans parce que ça Non, appartient mais aux c'est toute Bretons. une. Et... Ouais, après, comme tu dis, c'est toute une histoire. Mais bon, par rapport aux routes. Et après, sinon, moi, je te dis tout simplement, bah, il faut continuer après, mais bon. Et il faut pas écouter les médias quand ils parlent des. Il y a un journaliste de CNews là qui s'est fait blesser par les forces de l'ordre aujourd'hui. Ouais. Bah, alors, je vais peut-être te choquer, mais bah, il a signé, il assume. Bah, Je suis non. désolé, hein, habituellement, je suis pas vindicatif comme ça, mais là, tu m'as dit CNews, média mainstream, média oligarchique. Il Ouais, travaille mais pour après, Bolloré. moi, c'est pas de la faute du petit journaliste, hein. Après, moi, Non, 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 je fustige pas, moi, les petits journalistes. Ils font leur taf, mais ils essaient de nourrir leur famille. voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est les éditocrates. J'en veux aux éditocrates. Mais C'est par surtout contre, il y a un moment donné, personne lui a mis le couteau sous la gorge aussi. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi, hein. C'est-à-dire que tu peux aussi très bien être embauché par un petit journal et t'essaies de faire un petit travail de journaliste indépendant. Et encore une fois, moi, je vous dis, les amis, hein, s'il faut financer des petits journalistes indépendants, faites-le. Faites-le, comme ça, vous faites vivre le vrai journalisme. Le journalisme de Et terrain, voilà. Et engagé, indépendant. C'est eux qu'il faut financer, c'est personne d'autre, hein. bon, bah, je vais te laisser juste un mot en disant un truc. C'est que moi, ça Ça m'a bien marche. fait marrer quand ça n'a rien à voir avec les autoroutes, mais bon, c'est un petit trait d'humour. Ça m'a bien fait marrer, nous, que le Stade Rennais a gagné et qu'on a vu notre petit macroniste avec une tête de... toute petite tête et qu'il s'est fait foutre de... Nous, les Bretons, on se fout de sa gueule, tout simplement. Bah, partout, de toute façon, il va dans n'importe quel stade, il se ferait siffler aujourd'hui. C'est une évidence. C'est l'équipe de Stade de France, par les deux d'ailleurs, par les supporters parisiens et rennais. Hein. C'est tout le monde qui l'a sifflé. Donc, partout où il ira, il se fera siffler. Il s'est fait siffler, mais il n'a pas honte. Il ne gouverne plus rien. Pour moi, c'est... il ne mérite même pas mon respect en tant que citoyen. Bon. Bah allez, bah je vais te laisser, tu peux couper. Et bon courage, je vais lire. Ça marche. Bah, merci à toi en tout cas. Allez, merci. Bon courage. Je prends la deuxième personne. Jean-Mi. Ah oui, Jean-Mi. Jean-Mi. Bien entendu, Jean-Mi. Notre ami, constituant de Vendée. Félicitations à vous en tout cas. Salut. Salut Jean-Mi. Comment vas-tu ? Bonsoir à tous. Ça va, un peu éprouvé, mais ça va. C'était très bien. Super. Bah écoute, ton action, franchement, félicitations. Hein. Fallait du cran ce que tu as fait quand même. Hein. Parce que voilà, tu as, dû subir la foudre des automobilistes. Ouais, je vais t'expliquer ça très rapidement. Et je voulais juste revenir sur ce que disait ce monsieur vite fait très rapidement. Oui, il y a bien un traité d'Anne d'Autriche qui a été fait. C'est pour ça qu'en vérité, on va dire, cette pensée qu'on a de ce Breton, il est vraiment réel. C'est qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Et eux, c'est vrai qu'ils ont, c'est pas des autoroutes, c'est des 2x2, des express. Par contre, c'est la DDE qui gère donc ces infrastructures. Mais par contre, faut dire ce qu'il est. Les routes, malheureusement, elles sont pas vraiment gérées non plus comme il le faut. Et ils finiront un jour par essayer de s'en saisir. Mais voilà, le contexte est vrai, c'est que là-bas, il n'y a pas d'autoroute. Et puis, ben moi, franchement, c'est quoi, je suis content parce qu'on n'a été que 3. On a fait un appel, mais finalement, on a quand même fait l'action parce qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on démontre voilà, ces élites-là, ces oligarques qui sont en train de nous prendre notre argent. Et qu'au final, au lieu d'aller manifester, parce que je leur dis encore, hein, bravo à vous tous, ces gilets jaunes qui allaient manifester, mais en réalité, il faut vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. Et depuis que je t'ai rejoint, je fais encore plus de travail mental, je réfléchis encore plus, je vais encore plus voir, je discute encore plus. Et là, il était temps de faire quelque chose. Et puis j'ai dit, bah tant pis, je le fais. Et puis bah, parce que si moi je le fais pas, c'est-à-dire que personne n'ira. Et si c'est pour faire des lives et puis au final dire que simplement dénoncer et puis bah, pas être sur le terrain, ça sert à rien. Donc on y a été, montrer qu'on peut y aller, qu'on est à 3. On y a été, mais demain on sera 5, après on sera 10, on sera 15, on sera 20, et puis on continuera. Et là, véritablement, on dira stop à ces oligarques, stop à ces élites, et on dégage tous ces politiques, ces syndicats et ces loges maçonniques de la France, et on reprend notre pays. Exactement, exactement. Bah, je crois que tout est dit. Hein. Et crois-moi, l'action que tu as fait avec ton groupe aujourd'hui au nom des constituants de Vendée, vous nous avez montré l'exemple. Parce que ça fait chaud au cœur tu vois, de revenir sur le terrain comme ça, de prendre un rond-point, une route, faire une déviation vers une nationale, ça demande du courage quand même, surtout que les forces de l'ordre sont arrivées. Alors, justement, j'aimerais éclaircir ça. Au départ, il est arrivé un peu brusque et tout, mais au final, franchement, très très belle communication. Comme ils m'ont dit, voilà, nous c'est un peu sécurité, et je leur ai donné totalement raison. Et ils m'ont dit, là, si vous revenez et que vous avez de la sécurité comme il faut et que vous refaites la même chose, à partir du moment où c'est fait proprement, nous on va pas vous gêner, on n'est pas là pour vous empêcher. Et en plus, il a dit, vous n'êtes pas là-bas en train d'ouvrir les barrières, vous déviez. Donc à partir du moment où vous déviez, nous on peut rien faire. Hein. Il n'y a pas d'obstruction réellement. C'est juste que voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc faut remettre les choses dans leur contexte. Et le vrai contexte, il est là. Hein. Depuis le départ, on l'avait dit, hein, justement, de faire dévier sur ces nationales et en très peu de temps, on va bloquer ce pays et on va empêcher de faire rentrer de l'argent à ces mecs, là, à ces gens-là. Là. Tu sais, là, c'est ce que tu montres là à l'ordinateur. Là. Toutes ces choses que tu montres et que véritablement, il faut prendre conscience. Et bravo, mec, je te retire encore mon chapeau. Et je suis content de faire partie de votre groupe et j'espère ne pas faire de bêtises et bien suivre cette charte pour encore plus vous aider et encore plus nous aider aussi. Elle est en cours, mon ami, un peu de patience. La charte des constituants est en cours d'élaboration. Elle sera distribuée à tous les groupes très prochainement. Parce qu'il faudra qu'on fasse ça aussi en concertation avec vous tous. On vous donnera une première trame, vous nous donnerez votre avis, et puis de toute façon, on fera circuler ça. Il n'y a pas de souci. Bah non, mais en tout cas, c'est nous qui te remercions parce que bah, c'est nous qui prenons exemple sur toi aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu as ouvert la voie, tu as ouvert en fait le bal, hein, c'est-à-dire là, toutes nos grosses offensives qui vont arriver dans les prochains jours concernant les péages, tu as ouvert la voie et maintenant, on va essayer de suivre et de montrer l'exemple un peu partout en France. Donc, tous les groupes constituants, on va essayer de les mobiliser. Et puis, tous nos amis Gilets jaunes, de l'ensemble de la mouvance Gilets jaunes qui veulent participer tout le monde. Tous les citoyens. Moi, je le dis franchement, je fais appel à tout le monde, aux papas, aux mamans, aux cousins, aux tontons, aux familles, tout le monde. À tout le monde, c'est sauver nos enfants de cette loi Blanquer, c'est ces autoroutes, c'est toutes ces manigances qui se font depuis des décennies à nous desservir pour nous asservir. Donc il est temps maintenant véritablement de reprendre conscience et de reprendre véritablement notre contexte humain. Et bah oui, on va le mettre ce gilet jaune parce que bah, quelque part il faut se protéger, mais aussi c'est un appel du cœur, c'est un appel à de bon sens et reprendre tout simplement bah, cette base que chaque parent nous a appris, c'est cette éducation à garder ce respect envers chacun de l'autre. Et à l'heure actuelle, nous, on a du respect, mais on n'a pas de respect, nous, envers ces personnes-là, n'ont pas de respect envers nous. Et donc, il faut reprendre notre pays. La Constitution citoyenne doit être mise en place par nous, pour une fois, enfin, parce qu'on va nous dire, oui, mais non, on va encore refaire. Non, on ne refait pas. On va seulement commencer à faire quelque chose tous ensemble. Et moi, je fonce avec toi et je te souhaite une très bonne soirée. Je vais finir ton analyse parce que j'écoute énormément tout ce que tu dis. Bravo pour votre travail et à très bientôt, mon ami. À bientôt, mon ami. Ciao. Force. Excellent. Moi, personnellement, cet après-midi, j'étais impressionné par ce qu'a fait, Jean-Mi et son groupe de conseillers. Donc, franchement, force et honneur à toi. Ça a été, moi, ça m'a fait du bien et ça me remotive parce que dès que je reviendrai sur le terrain, crois-moi que là, on va augmenter en puissance. Quand je dis en puissance, c'est en puissance de motivation. Et de détermination. Alors, prochaine personne. Steph Lalimo qui pétille. Oh là. Sacré nom, Steph. Alors, Steph, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Il faut que tu me refasses la demande parce que... Attends, c'est en train de charger. C'est en train de charger. Ah, salut Sanglier, comment vas-tu? Sanglier, notre ami. Comment ça va? Bon, ça déconne, hein. Ça déconne, donc... Attends. Steph, faut que tu me refasses la demande. Ah, Sanglier à l'aile. Ah, mais là... Bien sûr que... Bon, Sanglier, si tu veux passer en live, il n'y a pas de souci. Ouais, ça déconne, là. Il faut que vous me refassiez la demande. Piki Madog. Allez, Piki Madog, c'est parti. Piki Madog. Alors voilà les amis, bon on attend. Ah c'est bon. Allô. Salut. Allô. Allô. Ouais là c'est bon, je t'entends. Ouais tu m'entends? Je t'entends. Bon. Bonsoir à tous. J'ai pas de casque alors j'espère que ça va pas faire une résonance de fou parce que. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Bon. On t'écoute. Nickel. En fait, non, je voulais juste moi revenir très vite, enfin très rapidement sur deux petites choses. La première, pour rebondir ce que tu disais en fait sur les autoroutes, pour finir un petit peu, tu vois, dans le tableau de l'escroquerie, en fait, c'est ce que j'ai mis en com tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, les sociétés d'autoroutes, elles n'ont pas en charge l'entretien et l'extension des réseaux routiers. C'est à la charge des départements et des régions. Tout à fait. Effectivement, c'est à préciser donc, ça aussi. Eux, en gros, ils encaissent juste l'oseille, en fait. C'est tout ce qu'ils font. C'est ça. Et le pire, ça a été l'endettement, parce que tu sais qu'ils se sont endettés. Ils ont dû s'endetter pour faire leurs investissements. Ils ne voulaient pas prendre ça sur leur fonds de roulement. Et donc, le pire, c'est qu'attends, l'État, hein, en 2006, sous Villepin, ils ont négocié pour que les intérêts de cet endettement soient payés par l'État, c'est-à-dire par nous. C'est l'État qui a payé l'intérêt de cette dette. Ah, c'est magnifique, ça. Ça c'est magnifique, la carotte. Hein. Et ça, vous pouvez le lire. Il y a Marianne, tout à l'heure, je vous donnerai les liens. Et c'est Marianne qui avait parlé de ça. Il y avait aussi un article sur le journal La Croix, il me semble. Je vais vous remontrer tout ça tout à l'heure. Mais c'est assez hallucinant. Hein. C'est assez hallucinant. Les intérêts ont été payés par nous. C'est pas mal. Hein, okay. Merci à Villepin. La carotte du début à la fin. Quoi. Voilà. Ah, merci Villepin. Bon salopard. Mais du coup, non, où je voulais rebondir aussi, c'est que du coup, on voit bien qu'en fait, c'est pas. Enfin, en l'occurrence, oui, le gouvernement Macron a fini le truc et a accéléré la finalité de la chose, mais on se rend bien compte en fait que c'est dû à tous les gouvernements successifs en fait. Bah bien sûr, bien sûr. Hollande avait prévu normalement dans sa campagne, c'était une promesse de campagne, il avait dit qu'il ne laisserait plus les autoroutes en concession et qu'il fallait revenir à une gestion nationale. Boum, c'est pareil, il a prolongé pour 3 ans. Et après, c'est parti. Ça a continué. Je suis en train de creuser justement pour savoir qui, sous le gouvernement Macron, nous a continué les concessions. Je vais essayer de creuser. Parce que ouais, j'avais cru voir que pour Vinci, c'était 2033 la concession. 2033 et 2000, ou alors c'est le contraire, c'est 2025 pour Eiffage. À voir, hein, il faut que… C'est pas clair. Je suis pas sûr non plus à 100%, donc à vérifier quoi. Mais, et sinon, la deuxième petite chose dont je voulais juste parler un tout petit peu ce soir, et j'espère que ça te donnera une piste, toi aussi, d'études et que tu creuseras aussi dans ce sens-là. En fait, parce que c'est un sujet qui me touche vraiment à cœur, ça concerne les enfants. J'aimerais que les gens se renseignent vraiment sur ce qu'est le système éducatif d'aujourd'hui. Parce que quand on remonte dans le temps, c'est un truc de cinglé. Je vais juste faire une petite intro qui va être un peu choc pour certains. Après toutes les études que j'ai faites sur l'éducation, sur le nouveau système éducatif, j'ose comparer le système éducatif d'aujourd'hui aux jeunesses hitlériennes en un peu plus light. Alors, voilà. C'est vrai que c'est un sujet à part entière. Et là, évidemment, il faut saluer le travail de Farida Belgoul sur cette question-là. Il faut saluer également toutes les associations qui se mobilisent contre l'éducation actuelle, hein, l'éducation dite nationale, que moi j'appellerais plutôt l'instruction nationale. Ça devrait être ça le vrai nom, hein, instruction nationale. C'est pas l'éducation nationale d'éduquer nos gamins. Il y a une grosse confusion à ce niveau-là. Grosse confusion. En fait, le problème, c'est que c'est un système éducatif mondial qui a été mis en place par l'UNESCO au début du XXe siècle. C'est grâce à l'UNESCO, grâce ou à cause de l'UNESCO d'ailleurs que ça a été développé. Et quand on pousse un peu les recherches, c'est pour ça que je t'invite à le faire, parce que j'aime bien que les gens aussi recherchent leurs infos par eux-mêmes. C'est vraiment un truc de cinglé, quoi. C'est des expériences en fait. On est juste bon à subir des expériences en gros de manipulation psychologique. Oui, non mais ça de toute façon, on avait ouvert le dossier. On est en train justement de creuser aussi là-dedans. On a fait un live il n'y a pas longtemps avec Farida Belgoul qui nous a expliqué tous les tenants, les aboutissants de la loi Blanquer en cours, la loi Aubry. Faut pas oublier aussi la loi Aubry quand même. Hein, 2002-2003, ça a été scandaleux ce qui s'est mis en place avec et puis toutes les plaintes qui sont déposées actuellement par des parents dans les collèges publics par rapport aux cours d'éducation sexuelle. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se produire et là, il faut vraiment que les gens se mobilisent. Mais ça, c'est un sujet à part ce soir, c'est vraiment les autoroutes. Mais je te remercie en tout cas d'en parler parce que… C'était juste une petite… Et je me permets juste de répondre à Yannick parce que Yannick en fait pose une question sur le rôle de l'UNESCO puisque en effet l'UNESCO a été créée en 1945. En fait, au début du XXe siècle, à partir de 1902 exactement, ça a été développé en Allemagne. Ensuite, c'est parti directement aux États-Unis. La première grande université qu'en a fait partie, c'est Yale. Le président, je vous invite à vous renseigner sur le président de Yale à l'époque. Et ensuite, en 1945, en effet, l'UNESCO a participé au développement sur l'intégralité du globe de ce nouveau système éducatif, en fait. Avec sûrement une espèce de dérivée des travaux de Kinsey, ça c'est une évidence. Sachant que ce qui est énorme, quand même, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'UNESCO, en fait, c'est donc l'organisation des Nations Unies qui gère l'éducation, les sciences et la culture. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pôle qui gère ces trois choses-là. C'est-à-dire c'est l'UNESCO qui décide mondialement de ce que doit être la culture, l'éducation et la science. C'est quand même merveilleux. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné, hein, puisqu'on est à l'ère de la mondialisation et donc forcément de la mondialisation idéologique aussi. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est franchement pas étonnant. C'est ça. Donc voilà, c'était juste ce petit mot que je voulais dire et je te laisse du coup finir ta deuxième partie ou prendre quelqu'un d'autre sur les autoroutes. Et en tout cas, j'étais ravi de ce petit échange de ce soir. Eh bien, en tout cas, je te remercie, mon ami. Et puis, reviens quand tu veux, il n'y a aucun problème. Merci pour ton témoignage. Ça marche. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Oui, les amis, franchement, l'éducation, bien sûr qu'on ne va pas laisser tomber ce sujet. Oh, combien important. On a ouvert la brèche avec Farid Abelboul, on va essayer de continuer. Il y a énormément de fronts à combler. Énormément de fronts, mais bien entendu qu'il faudra mettre des priorités. Et l'éducation sera prioritaire. Hein. Sans oublier les 11 vaccins, les amis. Vous croyez très certainement que je ne vais pas oublier les 11 vaccins. Les constituants ne sont pas insensibles à ce qui se passe avec la décision du Conseil d'État. Absolument pas. On va réagir, c'est une évidence. Mais ça viendra quand ça viendra. Pour l'instant, les amis, ce soir, on est sur les autoroutes. La première partie, on vous a expliqué donc sur ce qu'était la réalité du groupe Vinci. Voilà, c'est un groupe qui se fait des dividendes records, à qui on a concédé des autoroutes pratiquement gratuitement, et qui aujourd'hui se fait une marge de manœuvre impressionnante. Alors, on va prendre la prochaine personne. Steph, ah oui, alors Steph, on va réessayer. Hein. Tout à l'heure, ça marchait pas, Steph. Hein. Il faut que tu revoies ta connexion. Clairement. Gilets jaunes constituants 68, cette fois-ci on a Mulhouse avec nous. Nos amis constituants de Mulhouse. Comment vas-tu, camarade constituant? Ça va, je suis allé au café boire un thé. Ça vit, regarde dans les quartiers. Ah bah ouais, bah oui, forcément, soirée de jeune, un petit thé, ouais, j'avoue. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Ça, l'ambiance du Maghreb un peu. C'est pas mal. Ah non, mais ça fait toujours du bien. Ça va comme Kamel. Attends, juste 2 minutes. Ça va comme Kamel, ça va. On passe à la maison. Te reprends. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, 2 minutes, je reviens. Allô ? Ouais, c'est bon, non, j'ai dit ça m'a comme un frère. Je t'écoute, Soleiman. Ça va, tu vas bien ? Ça va et toi ? C'est quoi la thématique de ce soir ? La thématique de ce soir, c'est Vinci et les péages. Comme tu le sais, en ce moment, les constituants, on essaie de mener une offensive sur les péages. Mais nous, on a essayé de les occuper. On a essayé en Alsace, on a essayé à 2 fois, on a été 2 fois repoussés par les gendarmes. Parce qu'on n'était pas en Alsace. C'est pas grave. On a essayé. Ils m'ont bloqué 2 fois, ils m'ont attrapé. Ils m'ont vu mon nom, ils m'ont. Oh. Après. Ah ouais, forcément. Ah, j'avoue. J'avoue. Comme tu es dans le collimateur de sa sainteté, donc forcément, ouais, j'avoue. C'est fou, j'ai vu un RG, il m'a dit, le 1er mai, j'étais à Paris, et à un moment, à la fin de la manif, j'ai essayé de rejoindre les Gilets jaunes constituants pour les voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'étais tac, après, j'ai pas reçu. Et à Paris, le gars, le RG, j'ai parlé avec lui et je l'ai vu à une manif à Mulhouse parce que j'ai fait des micro-trottoirs, même dans les manifs. Je suis en train de faire des trucs comme ça, tu vois, un petit peu pour dialoguer avec les gens et tout ça. L'autre fois, je suis allé à les manifs, mais il y avait tous les syndicats et tout, et moi, je les interviewais par rapport aux Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils pensaient, etc. C'est quoi, tu vois, pourquoi ils sont venus à la manifestation. Bon, je faisais des micro-trottoirs. Et après, j'ai vu un RG, il m'a dit comme ça, alors, t'es allé à Paris? Je dis oui. Je dis, la prochaine fois, envoie-moi un SMS quand il va, comme ça, on sait. T'as capté? J'ai pas entendu. Il m'a dit, la dernière phrase. Le RG, il m'a dit, la prochaine fois, envoie-moi un SMS quand il va. Comme ça, on n'est pas obligé de te suivre. Ah, ouais, non, mais. Je l'ai fait voyager. Hein? Ça devient courant avec eux. Hein. Tu sais, ils n'ont pas envie de se casser la tête. Ils en ont tellement marre. Ils ont tellement de boulot en ce moment. Ouais, tu m'étonnes. Et ouais, alors, comme je t'ai dit, je t'ai expliqué, on a essayé de bloquer 2 fois en Alsace. L'Alsace, c'est un petit peu très compliqué la situation parce que le mouvement, il est en train de s'essouffler. Et surtout en Alsace. Et en Alsace, déjà que ce n'était pas tellement fort. Et nous, on a beaucoup, les gens, ils sont aisés ici quand même. Tu vois ce que je veux dire? Aisés dans le sens, c'est plus les quartiers qui sont dans la misère et certaines catégories. Mais sinon, les gens, ils veulent pas bouger beaucoup, tu vois. Ils veulent pas énormément bouger, tu vois. Mais on essaye, on essaye. C'est pas grave, on va montrer l'exemple. Tu sais, l'important, c'est pas de voir les gens bouger, c'est nous-mêmes bouger déjà. Ouais, bien sûr, ça c'est clair. Parce que nous-mêmes, comme on est conscient de ce qui se passe, on ne peut que agir. Ne serait-ce que la responsabilité qu'on a devant l'histoire, devant nos enfants, devant le futur. C'est une évidence, c'est maintenant que les choses se passent, c'est maintenant, maintenant ou jamais. Après, j'ai vu, vous faites attaquer de tous les côtés, c'est normal, parce que vous touchez aux points sensibles, tu vois. Et c'est tout à fait normal. Bah non, on s'y attendait, c'est pas un problème. Faites attention ça, faites attention à vous, surtout la santé, etc. Parce que tu sais, ils utilisent tous les armes. Combien de gens ils ont attrapé des cancers comme ça? C'est-à-dire qu'on a des cancers chacun de nous, c'est des souches qui dorment. Mais combien de gens ils ont attrapé des maladies, etc. Tu vois, faut faire très attention. Faites attention à vous quand même. Faites attention à vous. Ne t'inquiète pas, mon ami. Bon, alors, dis-moi, sinon, en constituant 68, alors, vous vous relancez sur les péages un petit peu? Non, on s'est lancé sur les péages, mais on s'est fait refouler 2 fois. Et alors après, on a essayé. Réessayez. Peut-être pas en Alsace, mais peut-être, tu vois, essayer de voir avec ceux du 67. Ouais, vois, mais je vais voir avec les 67 qu'est-ce qu'ils font, les Gilets jaunes constituants, s'ils peuvent le faire, etc. Comme ça, on les rejoint. Mais le 68, pourquoi on a eu un problème? Parce qu'une fois, il y en a des Gilets jaunes, ils ont bloqué le péage, mais ils ont brûlé une cabine. T'as capté? Ils ont fait n'importe quoi. Alors maintenant, ils l'ont sécurisé d'une force. C'est quadrillé par les gendarmes, un truc de malade. Alors que nous, l'objectif, c'est de lever les barrières. Hein. C'est pas de bloquer, il faut de lever les barrières. Il n'y a pas de bloquer ou casser. C'est lever les barrières pour que les gens se font plus raqueter, tout simplement. Exactement. C'est ça. Après, bon, nous aussi, on a un grand combat en Alsace. On a un grand combat parce qu'ils veulent faire le contour de Strasbourg. Et c'est un combat de… Je ne sais pas si tu as vu la publication des Gilets jaunes constitués en 68 avec une mamie de 99 ans qui va aux manifestations, qui combat. Et on a mis l'article, le lien de son combat. C'est une autoroute qu'ils sont en train de construire à Strasbourg. Écologiquement, c'est une catastrophe. Et économiquement, c'est aussi une catastrophe. Et c'est pour faire payer, parce que nous, il faut savoir, entre Strasbourg, Colmar et Mulhouse, en Alsace, on a l'autoroute, mais il est gratuit. D'accord. Et là, ça va partir en scandale. Voilà. Et maintenant, ils veulent faire des trucs payants, etc. Et en plus, économiquement, c'est une gouffre et écologiquement, c'est en train de massacrer. Et cette dame va dans les Gilets jaunes constituants 68 et tu vas voir, il y a une mamie dans la manifestation et on a mis son lien avec son combat. Et de la ZAD. Il y a une ZAD près de Strasbourg, tu vois. Et elle, avant les Gilets jaunes, elle combattait déjà cette mamie. Et alors, quand il y a eu les Gilets jaunes, elle est rentrée dans les Gilets jaunes, avec normal. Tous les combats se mènent avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est le peuple, et avec tous les combats. Et elle explique par rapport à… Sur le site, c'est expliqué, c'est bien expliqué, tu vois. Si tu veux faire un petit tour, tu verras… Ah ouais, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, je vais me prendre le temps tout à l'heure d'aller voir ça. Et même, tu peux partager cette mamie, cette photo, et son combat, c'est magnifique, tu vois. Pour 90 ans, c'est un exemple de combat, tu vois. C'est pas mal, tu vois. Alors, je voudrais juste rajouter un élément par rapport à ceux qui écrivent, parce que je suis en train de voir là un peu ce qui se dit là sur le fil de discussion. Alors les amis, sachez qu'on a dépassé les 22% d'augmentation des autoroutes depuis leur privatisation en 2006. Depuis 2006, 22% d'augmentation. 22%. Donc là, clairement, c'est juste une catastrophe. Ouais. Après, il y a quelqu'un qui a écrit par rapport à l'Alsace, il dit quoi? Trop d'aide sociale. Non, parce que l'Alsace, c'est comment ça s'appelle? C'est préservé, l'Alsace et Lorraine, parce qu'il y a un traité par rapport à l'Alsace-Lorraine. On a beaucoup de privilèges qu'en France, entre guillemets, sécurité sociale et d'autres choses que vous n'avez pas dans toute la France. Tu vois. C'est à cause de ça. Par exemple, vous, le local, il a 70%, nous, il a 90%. Mais même ça, ils veulent changer, tu vois, ils veulent toucher. Tout doucement, tu vois. Voilà. Ok, l'ami. Écoute, on va continuer. Je veux dire, je te redonne mon rendez-vous le 22, mais on se voit, d'accord? Oui. Très bien, pas de souci. De toute façon, c'est noté, je l'ai noté dans l'agenda. Je viens de 21, on se verra avant. Oui, on se verra avant, t'inquiète pas. Mais tu auras le soutien des constituants ce jour-là, t'inquiète pas. C'est gentil, merci. Moi, je prépare mon dossier de toute façon. Ça marche. Au plaisir. Hein. Bon courage à toi, l'ami. Merci. On se contacte par message privé. Ça marche. Allez, bon courage aux constituants 68. À toi aussi. Salam. Salam. Voilà, nos amis du 68. Bon, les amis, deuxième partie du live. Allez, c'est parti. Bon, alors évidemment, il y a de bonnes sympathies envers nous et qui ont essayé de comprendre la situation par rapport à l'arnaque des autoroutes. Alors il se trouve qu'il y a eu des rapports, hein, il y a eu des rapports à l'Assemblée nationale, il y a eu des rapports du Sénat, et des rapports de la Cour des Comptes, c'est surtout ça les amis, la Cour des Comptes. Alors, le scandale de la privatisation des autoroutes est connu depuis longtemps. Cette privatisation a lieu sous le gouvernement de Dominique de Villepin en 2005 et 2006. Jospin et Fabius avaient ouvert la voie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure les amis, Jospin et Fabius, qui aujourd'hui sont où? Ils sont où les amis aujourd'hui? Au Conseil constitutionnel, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. En ouvrant le capital en 2002 sur ASF, super hein, magnifique. En 2005, les autoroutes ont été vendues 15 milliards environ, alors que la Cour des comptes avance une estimation de 25 milliards. Ce qui veut dire qu'entre la Cour des comptes, qui est quand même très précise, et puis ce qui nous a été annoncé en 2005 par le gouvernement, il y a donc 10 milliards de carottes. 10 milliards de carottes en plus. Voilà. Donc où est passé le pognon? Sachant que c'est ces 25 milliards qui nous ont été versés par les sociétés privées, où est passé le pognon? Depuis, les rapports se sont succédés, dénonçant les conditions scandaleuses de ces privatisations qui ont créé une rente pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Avec l'augmentation automatique des tarifs de péage, la privatisation 2005-2006 comportait un vice initial. La Cour des comptes, les amis, dans un rapport de juillet 2013, vous pouvez le voir, il y a le lien. Hein. Alors, je vous le donne le lien, les amis, c'est Alternative économique. Hein. Alternative économique. Alors, en septembre 2014... l'autorité de la concurrence a dénoncé une situation de rente à long terme garantie par les contrats de concession et permettant des bénéfices hors normes. Le dernier et récent rapport est issu des travaux d'une mission d'information au sein de l'Assemblée nationale, présidée par Bertrand Plancher, UDI, et dont le rapporteur est Jean-Paul Chanteguet, Parti Socialiste. Là au moins ce rapport dit les choses et n'y va pas par quatre chemins. La régulation des tarifs de péage est impossible, car les contrats sont verrouillés au bénéfice des CSA. Je répète... la régulation des tarifs de péage est impossible. C'est-à-dire que ceux qui décident, les amis, c'est pas nous. Parce que normalement, l'État était censé être décisionnaire sur l'augmentation ou pas des tarifs. Eh ben non, ceux qui régulent pratiquement totalement et qui verrouillent les bénéfices de tous ces contrats, c'est bien les sociétés d'autoroute. On s'est donc fait entuber depuis le début. Merci Jospin, merci Fabius, merci Villepin, merci à vous tous. Vous allez donc passer au tribunal populaire pour haute trahison très prochainement. C'est moi qui vous le dis. Il a été mis fin au mécanisme d'adossement qui permettait de créer une cagnotte au bénéfice des uns afin d'investir dans d'autres infrastructures autoroutières. Là, c'est l'Union européenne, la massacreuse, avec sa directive du 13 octobre 93 sur la concurrence et la loi Sapin. Tiens, monsieur Sapin, actuel ministre des Finances, qui l'entérine en droit national la même année. En 93, Sapin avait déjà mis sa carotte, tu vois ça... ça remontait déjà à un moment, là, l'histoire. Hein. Les SCA bénéficient d'un monopole de fait et d'un public largement captif, ce qui permet bien évidemment tous les abus. Là, je vous montre la cerise sur le gâteau, les amis. L'intérêt général est incompatible avec l'intérêt des actionnaires. L'intérêt général est incompatible avec l'intérêt des actionnaires. C'est une évidence, mais il est bon de le rappeler. Donc voilà, les amis, ça fait un moment, en fait, qu'on se prend la banane. Hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, autre carotte. Les sociétés autoroutières se sont endettées pour verser des dividendes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Se sont endettées pour verser des dividendes à leurs actionnaires. Versement de dividendes exceptionnels financés par une augmentation de l'endettement à la hauteur de 5 milliards d'euros. Et évidemment, les intérêts, c'est qui les a payés? C'est Bibi. C'est Bibi qui a payé les intérêts. Et voilà, ça a été négocié avec l'État à l'époque. Merci de Villepin hein, de nous avoir fait payer les intérêts. Nous a manqué, sanglier. Hein. Il nous a manqué. Là, on doit donner un peu la pêche, là. On est en train de s'endormir en France. Allez, à jouer en cours. Ah, ce petit sapin. Ben oui, c'était un petit malin. Hein. Il a fait partie de l'arnaque de la privatisation des autoroutes. Hein. Depuis le début, il était dedans. Alors, il y a une autre source aussi, je vous l'ai pas fait montrer les amis, qui nous parle aussi de Guesso. Eh oui, la fameuse loi Guesso. Bah, Guesso, lui aussi, a fait partie de l'arnaque de la privatisation des autoroutes, en lien avec Jospin. Bravo, merci à toi Guesso. Hein. Tu parles d'un communisme. Bon, ça déconne, sanglier. Hein. Refais-moi la demande, ça déconne. Autorisation, c'est parti. Bon, ça devrait marcher normalement. Hein. Ça bug les amis? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon là. Ah, c'est bon, désolé, j'étais en train de lancer une machine là. Eh, c'est du narnar que je vois là, en face? Ah non, non, c'est pas du narnar ça. Non, 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 c'est du pain. C'est quoi cette ananas à droite là? Non, ça c'est une pomme. C'est ton esprit complètement haineux qui te fait voir une ananas. Ah, c'est mon esprit complotiste, pardon. C'est mon esprit complotiste. Honte à moi. Honte à moi. Un peu de déco, ça fait du bien. Je mérite 100 coups de fouet pour avoir douté de. Je jure. En gold, oh, bien sûr. En édition limitée. Édition limitée. Non, mais hey, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. De la maison Goldenstein, bien sûr. Faudrait que tu nous fasses comme les inconnus, tu sais, quand ils vendent des objets, la téléboutique achat, là. Tu nous fais une téléboutique achat d'ananas. Comment ça va, frérot? Ouais, écoute, ça va, et toi? Bah, alhamdoulilah, écoute, je sors d'une soirée spirituelle, on va dire, donc ben, je prie pour votre salut. Voilà. De là où je soirée spirituelle. Ça me fait rappeler ce qui pue, ça. Oui, j'ai vu que tu as abordé les autoroutes ce soir. Oui, parce que, bah, écoute, on pensait que c'était unificateur comme action. Tu sais, reprendre les péages, ça unifie un petit peu tous les gilets jaunes. Ça nous redonne la patate et puis ça redonne le sourire aux gens. On levait de barrière. J'ai vu que les gens sur Valenciennes faisaient ça aussi, mais au niveau des parkings. Et oui, on aurait très bien pu y inclure dans ton sujet aussi les parkings, parce qu'il ne faut pas oublier les mêmes qui ont pris les autoroutes, hein. Les quatre gros, là, les quatre géants, se sont appropriés aussi dans tous les centres-villes et partout en France les parkings pour un pesos, quoi, pour un prix complètement ridicule, pour pas dire gratuit. Et ils s'approprient les lieux et tu vois bien, les prix des parkings sont surtout sur Paris. Oh, sur Paris, ils vous charcutent, hein. C'est vraiment de la boucherie. C'est une évidence, c'est une évidence. Mais de toute façon, c'est Vinci, hein. Vinci qui possède pratiquement tous les parkings de France, hein, à une exception près. Mais évidemment, ils sont aussi dans tous les bons coups, dans les autoroutes, dans les aéroports, comme on l'a démontré tout à l'heure. Vinci possède déjà 12 aéroports en France, hein, et possède 8% déjà depuis des années du capital de l'aéroport de Paris. Donc, le scandale, évidemment, est au niveau des parkings. Alors, je n'ai pas creusé au niveau des parkings, mais ça doit être, à mon avis, bien juteux, hein, tout comme les autoroutes. Ben, on parle beaucoup des autoroutes, mais on parle rarement des parkings. Justement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les parkings, c'est des milliards et des milliards qui sont encaissés chaque année. Et en fait, on pourrait inclure, à ton sujet, on pourrait inclure… où en est-on avec le statut de traître à la nation? Au niveau, je sais très bien, la nation n'existe plus en France. On n'est que des serviles serviteurs de l'Union européenne, comme l'est Monsieur Macron là, avec sa momie. Là. Néanmoins, je sais qu'à l'époque de Napoléon, il existait toujours ce statut et un traître à la nation était voué donc au fusil. Hein. Qu'en est-il d'aujourd'hui? On est-on avec ce statut-là? Parce que pour l'histoire des autoroutes, on peut carrément y remédier. Hein. Pour les autoroutes, c'est simple. Le PDG actuel de Vinci, c'est Xavier Huillard, qui est un oligarque, qui a été un énarque et qui a connu, les réseaux de Macron, hein, qui connaît Attali, etc. Donc, évidemment, ça va de soi que si les tribunaux populaires sont créés suite à l'abolition de la République, il va de soi que ces gens-là ont trahi la République, tout comme les politiciens qui ont permis à ces oligarques de s'enrichir, comme M. Fabius, Jospin et Villepin, comme on l'a démontré précédemment. Bah, oui, mon ami, il y aura un jugement. C'est les citoyens qui jugeront ces gens-là, un procès équitable, bien entendu, et humain. Ça va de soi. Mais moi, je proposerais pour ces gens-là, comme je l'ai toujours fait… des travaux d'intérêt généraux sur 30 ou 40 ans, sur ce qu'il leur reste à vivre. Ça peut se négocier. C'est aux citoyens qui décideront d'ailleurs. Ça donnera le goût de ce que c'est que le mot travail. Bah, Xavier Huillard, il pourrait revêtir un gilet orange de travaux publics et puis aller entretenir les autoroutes. Pourquoi pas? Gratuitement. Pour la nation, pour le peuple. Ça peut être intéressant. Je me permettrai d'inscrire sur leur gilet « Le travail vous rendra plus libre ». Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Enfin, ça c'est ma petite idée. Après, on peut être créatif. Hein. Il faut être créatif. Il faut être créatif. C'est ce que permettra les tribunaux populaires, je pense. Absolument. Alors, moi, ah pardon, je t'en prie, je t'en prie. Alors les amis, on va parler maintenant solution. Hein, on va parler solution. Un retour à une gestion publique est-elle possible? Si l'État choisissait de reprendre lui-même la question des autoroutes, selon diverses sources, de Bercy au ministère de l'Environnement, l'idée n'est pas écartée. L'article 38 des contrats de concession prévoit qu'à partir de 2012, là, bon, il remonte un petit peu cet article, mais il est important, l'État peut les résilier par anticipation. Pour ce faire, le gouvernement doit agir avant le 1er janvier de chaque année. Voilà, donc on a des solutions juridiques. On a déjà des solutions juridiques. Il suffit qu'avant le 1er janvier de cette année, si on reprend le pouvoir, on décide de racheter les concessions à Vinci et à Eiffage et à la SANEF. Ça nous coûterait la bagatelle de 40 milliards d'euros, et dont 20 milliards d'indemnisation des sociétés. C'est salopard. Alors que nous, on leur a vendu les autoroutes pour 15 milliards. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, on se fait doublement carotte. Doublement carotte. Sachant qu'ils ont été rentabilisés. J'imagine, tu l'as dit, tu as dû le dire au préambule, que les autoroutes sont remboursées depuis 1970, 72, si je fais pas de bêtises. Oui, bah pour la A6, c'est ça. Hein, pour le Paris-Lyon-Ouest, je crois que c'est 72 ou 73. C'est magnifique. Hein. Voilà, depuis 72 ou 74, la dernière des dates, les Français n'ont pas à payer un seul centime pour la mise en place des autoroutes. C'est-à-dire que depuis cette date-là, depuis en gros les années 70, normalement, nos autoroutes seraient gratuites partout sur toute la cartographie française. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'il faut ouvrir ce dossier d'autoroute, parce que là, ça suffit. C'est un racket fiscal qui nous coûte des milliards chaque année et ça ne peut plus durer comme ça. Et qui pourrait nous rapporter des milliards, nom de Zeus. Au lieu que ça parte dans les poches de Vinci et consorts, ça pourrait être redistribué, aller… chez les EHPAD, enfin j'en sais rien moi, mais ça peut payer du beurre aux pauvres. Bah, ça peut surtout créer de l'emploi. On pourrait créer des grosses politiques de travaux publics, ne serait-ce que pour l'entretien de nos autoroutes. Alors apparemment, il existerait une institution que personne ne connaît qui s'appelle la Caisse nationale des autoroutes, émanation de la Caisse des dépôts chargée de financer les nouvelles autoroutes. Donc on a déjà les solutions en fait. Il suffit de récupérer cette Caisse nationale des autoroutes qui gérera les nouvelles, enfin comment dirais-je, la construction de nouvelles autoroutes et leur entretien, tout simplement, tout simplement. Mais tu sais, on a déjà sur le territoire un exemple qui existe, hein, d'autoroute gratuite, si on peut appeler ça autoroute. C'est la Bretagne, parce que moi je suis de Nantes et je sais de quoi je parle. Les routes en Bretagne sont toutes gratuites, et je vous rappelle. Les Bretons qui sont, on va dire, entre guillemets, des gilets jaunes éternels, quand ils ne portent pas des bonnets rouges. Quand l'autre Ségolène, la grosse andouille de Ségolène, quand elle a voulu nous proposer ces trucs payants là pour l'écotaxe, eh ben, les bonnets rouges ont montré, de quoi on était capable en Bretagne, et on les a littéralement démontés. Et je pense que c'est sur cette lancée qu'on devrait aller démonter tous ces péages à la con sur tout le territoire français. Ça peut être une action. Exactement. Non, mais ça peut donner des idées. Hein. Ça peut donner des idées. En tout cas, nous, on encourage vraiment dans les prochains jours et les prochaines semaines se mobiliser massivement à reprendre nos péages. À reprendre nos péages, quitte à se faire chasser 3000 fois par les flics. Ils en auront marre à force. Ils en auront marre. Et je pense que certains d'entre eux sont même déjà de notre côté. Parce qu'eux aussi, ils en ont marre de raquer à chaque fois qu'ils prennent l'autoroute. Donc voilà. Un gendarme, ça reste un civil, hein, avant tout. Exactement. Et puis surtout, prenez les nationales, les amis. Il y a des nationales qui sont très bien en France. La N20 est suffisante pour aller à Orléans. La nationale 7 est suffisante pour descendre dans le sud. Enfin voilà, ouais. On n'a pas besoin de prendre les autoroutes à tout va. Absolument. Bah, tu prêches un converti, Wilson, puisque nous, Nantes-Angers, on a la parcelle la plus chère au ratio, hein, au kilomètre près. Enfin, le prix qu'on paye au kilomètre, enfin divisé par le nombre de kilomètres, on est au ratio la parcelle la plus chère sur tout le territoire français. On paye pour 78 kilomètres, je crois, plus de 10 balles, 10 euros. 10 et des brouettes. C'est énorme. C'est énorme. C'est incroyable. Et en alors, fait, c'est la possibilité des gens. Vas-y, je t'en prie. Non, mais regarde, bah, ça résume tout ce que tu dis. Regarde, là, le titre que vous voyez, le pactole des autoroutes, 3,2 milliards de travaux pour 14,7 milliards de recettes et de dividendes, hein, divisés à tous les actionnaires de Vinci, Eiffage et autres SANEF d'Alain Minc. Voilà. Voilà ces saloperies, voilà la carotte qu'on s'est mangée. Voilà la carotte qu'on s'est mangée, bordel. Les enfoirés. Et sachez que les péages, c'est une spécialité française, hein, puisque en Europe, moi j'ai pu me balader ici et là, les péages, ça ne les connaît pas. Hein. J'ai roulé en Allemagne, ils n'ont pas de péage, enfin du moins je n'en ai pas croisé. J'ai roulé en Angleterre, ils n'en ont pas. En Norvège ici, ils n'en ont pas. Je sais pas. Si vous connaissez des pays où il y a des péages, dites-le moi. Mais en tout cas, j'en ai vu qu'en France pour le moment. Ah non, mais c'est l'évidence. C'est l'évidence. Même moi, si tu veux, pour faire la route jusqu'au Portugal, par exemple, Espagne-Portugal, mais jamais je paye pas 1 euro. Et je prends que des tronçons gratuits d'autoroute. Et quand c'est payant, c'est des petites sommes, c'est dérisoire. Et je préfère prendre les nationales. Les nationales, ça permet de voyager, de voir du village, des villes, tu vois, de prendre son temps. Absolument. Si vraiment les Français se mettaient d'accord pour prendre vraiment les nationales et boycotter totalement les autoroutes afin de faire cracher ces sociétés de merde, je peux te jurer que déjà l'économie du petit restaurateur de la nationale et les petits commerçants du même tronçon, eh ben, ce serait redynamisé. Déjà, quelque part, on leur ferait bien chier. Au lieu d'alimenter toutes ces stations où on te l'enfile, mais alors une de 75 dans le fion à chaque fois que tu achètes un paquet de chips, une bouteille d'eau, tu vois. Ah ouais, non, mais ça va, les sandwichs à 6 euros, faut arrêter. Ça, c'est le dernier pic dont je me rappelle, tu vois. Hein, le menu à 24 balles, tu sais, sur Cofiroute, là, le bœuf grillé, là, tu sais, les vieilles enseignes toutes pourrites, là, toutes chères, là. Bon, maintenant, ils commencent à mettre des flunchs, mais bon, putain, le croissant, il vaut 3 balles, quoi. Le muffin, il vaut 4,50 € et le paquet de granola, il vaut 6 € le machin. Pousse à bout les gens quand même maintenant. Ouais, mais crache pas dans le pot, Wilson. Des fois, ils te font des promos, des ristournes de 10 %, c'est énorme. 5 %, tu veux dire. 10 %, c'est du rêve, ça. Non, mais c'est la positivité, j'ai l'impression, qui fait mal. Parce que, bon, j'ai été commercial en France les dernières années où j'étais. Et du coup, je m'en foutais puisque tout était payé. Tu vois, j'avais une carte, qui me payait le gasoil, les parkings et les autoroutes. On va dire pour un professionnel comme moi, comme je fus, ça me touche pas. Mais c'est le civil, moi. C'est le mec qui paye avec ses sous. Celui-là, il reste passif. Et c'est cette passivité, moi, qui m'inquiète. Parce qu'à chaque année, on augmente au mois de juin, juillet. On augmente les prix systématiquement des autoroutes et de tout. Et les gens font un peu l'effet de la grenouille qui bouille dans l'eau. Vas-y, je t'en prie. Si vous voulez poursuivre. Ouais, non, je t'écoute, mais c'est simplement qu'en fait, Hollande, il a fait partie de ces traîtres, en fait. Hein. Le candidat Hollande avait promis d'y mettre fin. Aujourd'hui, il envisage de proroger la rente de 3 ans. Bon, c'est un article qui date de 2012. Hein. Voilà, super. Bravo. Bravo à tous. Bravo à Jospin. Bravo à Fabius, bravo à Villepin de nous avoir vendu nos autoroutes. Merci Hollande, bon merci à toi. Et Sarkozy alors? Oh, il doit avoir sa part de responsabilité, je creuse, t'inquiète. Le dossier est loin d'être fini. Hein. Ce soir, je vous montre simplement une petite partie de la réflexion et ce qui a été trouvé. Mais là, on a encore du taf. Hein. On a encore du taf. Hein. Mais la source du mal, comme à peu près tous nos maux, remonte à Giscard. Giscard, cette enflure. Toujours vivant d'ailleurs. Ça ne m'étonnerait pas que lui, il doit se refaire le sang tous les jeudis du mois, tu sais, avec du sang de bébé. Cette raclure-là. Lui, il nous a mis sous dette et il a vendu nos autoroutes. Parce que les années 70, c'était avant Mitterrand, donc c'est bien Giscard. Cette raclure. Giscard, il connaissait Friedman, hein, donc les lois de Friedman, la privatisation, tout ce qui peut être privatisé, il connaît. Hein. C'est pas un problème. Hein. De toute façon, Giscard, il a vendu la France en 73 déjà avec Pompidou, donc Quand tu bosses pour la Rothschild, effectivement, tu es désigné comme traître de la nation par défaut, à mes yeux. Exact, directement. De toute façon, si ton nom est associé à Rothschild, tu peux être sûr que tu passeras au tribunal populaire. Ça fait plaisir de t'entendre, mon cher Wilson. C'est une évidence. Mais moi aussi, mon ami, il faut que tu nous secoues un peu là. De toute façon, rien que déjà, j'ai vu ton ananas, j'étais déjà secoué. J'ai dit putain, non, il est fort quand même. Non, mais t'as vu, je me suis calmé. Je me suis dit, ce mois-ci, il faut que je me calme. Même si on a tout pour s'énerver, voilà. De temps en temps, redevenons calme pour revenir encore plus énervé. Exactement, exactement. Voilà. Un petit donc, mois si de réflexion spirituelle pour essayer de repartir de bon pied. Hein, et mais je trouve que, en fait, c'est vraiment ça. Je pourrais conclure là-dessus. Vraiment, si les Français redonnaient un petit peu plus au côté spirituel, ils pourraient les mettre en commun, si tu veux. On fait souvent le parallèle du mouvement des Algériens en ce moment, qui apparemment fonctionne, hein, toutes leurs revendications avancent très vite, et ils sont à leur 8e ou 9e ou 10e, je sais plus quel acte, et là on voit récemment des généraux, enfin des mecs, des oligarques, qui se font emmener en prison directement. Donc on peut dire, ça avance, chose qu'on aimerait tant voir du côté de chez nous, tu vois, des oligarques emmenés… au commissariat pour répondre de leurs actes, tu vois. Ça, c'est vraiment… Ah, qu'est-ce que ça serait beau, putain. Ah bah, ce serait magnifique. Mais ce qui fait la différence entre les Algériens et les Français, c'est que les Algériens ont un point commun. Je pourrais dire le nationalisme. Enfin, un truc qui serait au-delà du matériel ou des idées politiques. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un point commun, le drapeau algérien et leur nationalisme. Ça, c'est clair et c'est sûr et certain. Les Français, malheureusement, ils sont trop subdivisés. C'est-à-dire que tu as trop de peuples français en France. Tu as les gauchistes, tu as ce qui sont appelés extrême droite, tu as après les anarchos, les pseudo-gauches, les pseudo-droites, les travailleurs, les non-travailleurs. Et en fait, c'est tellement subdivisé qu'on n'arrive pas à joindre toute la populace. Et si on avait un point commun qui serait, je sais pas moi, la spiritualité ou le nationalisme ou le patriotisme, ça ferait avancer les choses. On serait beaucoup plus entendu en face. Voilà, donc… il faudrait que les gauchistes aillent faire un stage à Alger, ils se prendraient des bonnes trahas et ils rentreraient dans le rang pour trouver justement des sources unificatrices pour un peuple. Ça leur ferait du bien un petit stage, je pense. Absolument, absolument. Eh ben, écoutez, que Dieu vous protège et continuez, lâchez rien. De toute façon, on gagnera. Hein. Par la volonté de Dieu, on gagnera. Et qu'ils aillent se faire foutre au passage. Bon, je peux pas dire Amine parce que tu as dit se faire foutre. Non, ils aiment se faire foutre Amine, voilà. Je le dis à ta place. Le terme là, tu vas se dire, voilà. J'ai arrêté de camper avant le ramadan, donc là, j'ai des pics de colère de temps en temps, ça revient. Je te jure, vraiment, en tout cas, ça fait du bien, hein, t'entendre là, ça rebooste un petit peu là. Ah bah, avec plaisir, quand tu veux, frérot. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, à plus tard. Comment ce Shabbat sacré? Oh, t'es un fou, toi. Oh, punaise, je te jure. Ah, on est trop fous. Franchement, pour une fois que certains médias font leur boulot. Ah, il y a du lourd, hein. Je vous promets, les amis, il me falloir encore une semaine pour finaliser tout ce dossier-là. Ah, il y a du lourd. Il y a du lourd. La Cour des Comptes. Là, je vois que Jean-Marc Ayrault, s'il était dans le coup. Putain, mais quelle bande d'ordures. Une députée là du Parti Socialiste, Karine Berger, qui, voilà, des petits arrangements entre amis, avec des sociétés privées, parce que son autoroute passait dans sa circonscription. Mais c'est une putain, c'est à vomir, les amis. C'est à vomir, Olivier Faure, la Cour des Comptes. Ah oui, voilà, dernière arnaque, les amis, encore ça c'est pas mal. Je voulais vous le dire. Alors vous savez ceux qui fraudent au péage, vous savez, normalement ça c'est la justice française qui gère, hein, ça c'est la gendarmerie, etc. Eh ben non. Maintenant, depuis quelques années, Vinci a accès aux plaques d'immatriculation. Non, je rigole pas, les amis. Vinci a accès aux plaques d'immatriculation. C'est pas magnifique? C'est-à-dire que, bon, tu passes par mégarde, j'en sais rien, tu vois, tu passes à un péage, t'oublies de payer, eh ben, t'es rattrapé tout de suite par ta plaque d'immatriculation, et Vinci a le droit de regarder ces dossiers-là sans passer par l'État. C'est-à-dire que Vinci, en gros, ce que je veux vous dire, Vinci possède un registre de toutes les plaques d'immatriculation françaises à l'heure actuelle. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, de la gravité de la situation? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Ça va durer combien de temps encore, ce scandale? Ça va durer combien de temps? C'est incroyable, incroyable. Voilà, la récente dépénalisation des PV, votée à l'unanimité au Sénat, donc merci les sénateurs, hein, est en passe d'ouvrir les grandes portes de ce nouvel Eldorado pour Vinci. Ils vont se faire de la thune avec les PV. C'est magnifique. Ah oui, et puis les amis, les sociétés qui sous-traitent les municipalités, hein, vous voyez, pour nous mettre des amendes à Paris, notamment les sociétés qui flashent vos plaques d'immatriculation et si vous n'avez pas de ticket de rodateur, eh ben tout ça, c'est pareil. C'est les Vinci, Eiffage et compagnie. Des filiales. Bravo. Génial. C'est pas magnifique, ça? Putain. Bon, voilà, les amis. Je vais pas continuer le dossier parce qu'il n'est pas encore finalisé, donc je vous présenterai les grandes lignes. Mais en tout cas, voilà. Moi, franchement, les amis, je vous le dis, hein, il est temps vraiment de reprendre nos péages. Il est temps vraiment de reprendre nos péages. Chose qui a extrêmement bien marché au tout début décembre, fin novembre, avec l'ensemble des Gilets jaunes sur le territoire national. Ça a donné le sourire aux gens quand on levait les barrières. Les gens ont appris à se connaître sur les actions de péage. Les ronds-points se sont constitués après des actions de péage. Donc je vous le dis, les amis, aujourd'hui, il faut qu'on relance une grande offensive. Déjà, nous, au niveau des constituants. Ensuite, au niveau de tous les Gilets jaunes disponibles, volontaires pour ces actions. Et là, je fais un appel national, les amis. Un appel national. Et relayez cet appel, s'il vous plaît. Je fais un appel au bon sens de tous les Gilets jaunes pour reprendre l'initiative, pour reprendre la totalité de nos péages, pour mettre la pression sur ce gouvernement illégitime, pour foutre dehors des oligarques comme Alain Minc, qui bosse à la SANEF, Xavier Huillard, PDG de Vinci, et son scandale à l'étranger, parce que je vous ai montré le scandale au Qatar avec les ouvriers morts suite à l'épuisement et l'esclavagisme moderne, mais il y a aussi la Russie. Il y a un scandale que j'ai oublié de vous parler, qui est en Russie, je vous en parlerai la prochaine fois. On est en train de creuser le dossier, là. Donc, voilà, les amis. Bah ouais, exactement, sanglier. Même un couple qui s'est marié un péage, ça c'est vrai en plus. Donc, je vous le dis, les amis, on va reprendre massivement les péages. Et vous pouvez compter sur les constituants pour ça. En tout cas, nous, on va lancer une offensive très prochainement. Et je vous invite tous à faire pareil, les amis. Ensemble, main dans la main, on va lever ces putains de barrières. Et on va faire perdre de l'argent à Vinci, à la SANEF, à la PPR, qui est la filiale d'Eiffage. On va leur faire perdre de la thune, les amis. On va retrouver ce putain de sang chaud qu'on avait là. Début décembre, fin novembre. On va retrouver ça, les amis. On va retrouver ça. Vous inquiétez pas. Alors, bien entendu, les amis, on n'oublie pas les 11 vaccins. On n'oublie pas la franc-maçonnerie. On n'oublie pas le sionisme. On n'oublie pas l'oligarchie et sa structure idéologique. On n'oublie pas le nouvel ordre mondial. On va tout simplement faire du pratico-pratique sur le terrain. On va foutre un coup de pied au cul à ces oligarques qui sont dans les conseils d'administration des sociétés d'autoroute. Clairement. Clairement. Oui, les vacances approchent, justement. On va leur faire payer, hein. On va leur faire payer ça, vous inquiétez pas. Ils auront une belle note salée. Une belle note salée. Alors, les amis, si vous y allez à 2 ou 3, vous êtes morts. Hein. Par contre, si on y va à 50, 60, 70 sur un péage et sur des aires d'autoroute, là, je peux vous assurer que ce sera pas la même. Donc, mobilisons-nous. Je fais un appel, quel que soit ce qu'on pense de vous, ce qu'on peut penser de vous. C'est pas le sujet de ce soir, mais je fais un appel. Priscilla Ludowski, Maxime, Nicole, Laetitia Deval, Jérôme Rodriguez, Boulot, Branco, tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités, mobilisez les troupes et menez-les là à des fronts intelligents plutôt que de faire des manifs entre République et Bastille. Je ne suis pas contre les manifs, attention, hein, moi-même j'encourage aux manifs. Il faut maintenir la pression sur les manifs. Mais pour une fois, essayons d'unir les forces des Gilets jaunes, que tous les Gilets jaunes sincères, honnêtes de terrain, qui veulent simplement changer les choses pour l'avenir de leurs enfants et faire tomber cette oligarchie, eh ben commençons par reprendre nos péages. Car les routes nous appartiennent. On n'est pas là à payer la gabelle comme au Moyen-Âge. Prenons les autoroutes, elles nous appartiennent. Nous les avons payées. nos ancêtres, nos parents les ont payés dans les années 50, 60 et 70 par des investissements massifs. On les a remboursés depuis, on les a rentabilisés depuis les années 70, notamment la A6, le Paris-Lyon. Il est temps que tout cela cesse. Les autoroutes nous appartiennent et il est hors de question de payer 20 milliards d'euros, c'est la somme qui est demandée aux sociétés d'autoroutes en cas de renationalisation des autoroutes. Si pour nationaliser les autoroutes, il faut payer 20 milliards d'euros, c'est hors de question. On va les reprendre avant, les amis. On va les reprendre avant. On va les reprendre avant. Allez, je vais continuer, je vais prendre une nouvelle personne. Wesson Leboeuf. Allons-y, Wesson Leboeuf, c'est parti. Quelque chose, ça, Wesson. Aïe, aïe, aïe. Oh, tiens, l'ami. Ah, bah, je te connais. Bah, on se connaît. Comment vas-tu? Ça va, ça bug un peu, non? Un petit peu, un tout petit peu, mais je t'entends quand même. Ok. Dis-moi, comment on fait pour s'organiser, pour que tout le monde puisse justement se remettre à faire les ronds-points, parce qu'il faut que tout le monde le fasse d'un coup, on est d'accord. Les ronds-points ou les autoroutes? Les péages, par exemple. Alors les péages, on est en train de mettre quelque chose en place pour le 91, très prochainement pour la semaine prochaine. Je ne peux pas tout te dire ici en public. Ce que je t'invite à faire, par contre, si tu as lu… Si tu as les coordonnées de Mishka, qui est mon collègue constituant, si tu as les coordonnées de quelqu'un du 91, notamment tous ceux qui sont dans les AD et tout, moi, ils me connaissent. Ah, bah, Kamtar, je le connais très bien, il fait partie de notre groupe, donc tu peux passer par lui aussi. Ouais. Il donnera les éléments, ou alors on se contacte en privé sur Messenger et je te donne tous les éléments pour la semaine prochaine. Bah, vas-y, on va se capter en privé, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, on va mettre en place les choses. On va essayer d'unifier un petit peu les forces qui nous restent dans le 91. Et on va essayer de reprendre ces putains de péages. Moi, je suis chaud, en tout cas. Ah bah, ça fait plaisir. On a besoin de plus d'aide possible. Et puis surtout, c'est salutaire. Si on se souvient bien de ce qui s'est passé fin novembre, début décembre, dans les péages de Fleury-en-Bière, du 77 et de Saint-Arnoux, c'était juste énorme. Et il faut qu'on retrouve cet esprit. Je suis d'accord avec toi. Mais te rappelle-moi à l'époque où vous faisiez vos premières réunions, là. Ouais. Bah, tu vois, moi, c'est ça que je disais justement, c'est qu'il fallait sûrement pas lâcher, tu vois. Et moi, les réunions, je parle pas spécialement des votes parce que vous avez réussi à vous structurer au point de créer les constituants et de faire des choses très bien, tu vois. Mais il fallait sûrement pas lâcher ça, les ronds-points, les péages, les zones industrielles, tout ce qui a vraiment fait mal au gouvernement, en fait, finalement, et à l'oligarchie comme toutes les personnes en fait qu'on combat depuis le début du mouvement, parce qu'en fait en vérité on a nos revendications, mais il faut pas qu'on oublie qui sont nos ennemis. Exactement, exactement. Faut jamais l'oublier ça. C'est la ligne conductrice pour tout le monde. C'est la base de tout. On a tous des revendications différentes finalement, mais on a tous le même ennemi, enfin les mêmes ennemis, tu vois. Non, mais écoute, c'est simple. On va passer à l'action cette fois-ci. Là, c'est vrai qu'on était en pleine réflexion. Maintenant, on va passer à l'action. Et voilà, moi je t'invite on va se parler sur Messenger, on va structurer ça. Et en plus des autoroutes, il est évident qu'il faut revenir sur les ronds-points. D'ailleurs, tu as bien vu que dans le 91, ça rebougeait un petit peu sur les ronds-points. La Croix-Blanche, Montlhéry. À Dourdan, j'ai appris qu'à Dourdan, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Et Tampes aussi, ils commencent à bouger un petit peu. Il y a eu un truc sur la base de loisirs la dernière fois. Bon, ça commence à revenir, tu vois. Puis il y a le beau temps qui va revenir. Il y a ça aussi, c'est le fait qu'il y avait l'hiver. Forcément, le temps, ça joue. Le temps, ça joue. Donc, on va revenir à nos prérogatives. C'est une évidence. Et puis, les autoroutes, c'est tellement un scandale et le racket est tellement énorme. Et on a vu à quel point on pouvait faire mal à Vinci et au gouvernement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire là dans les prochains jours. Bien sûr. Et puis, on peut dire que maintenant, les gens qu'on va rencontrer sur les ronds-points et péages, ils ont de l'expérience. Ah, c'est clair. Logiquement, on devrait être beaucoup plus structuré. C'est clair et net, surtout que là, il y a eu une offensive la semaine dernière sur Saint-Arnoux. Donc, on sent bien qu'il y a des groupes qui ont jamais lâché. Par exemple, ceux de Chartres aussi, dans le 28. Hier ou avant-hier, ils ont essayé de faire Saint-Arnoux, là. Bah ouais. De toute façon, c'est… Un groupe du 45. C'est quotidiennement qu'ils essaient de le faire. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a du monde, en plus. Pour moi, on peut obtenir au moins… Il y en a de plus en plus, parce qu'il y en a plein qui en ont marre des manifestations, des marches, des déclarations. Ils veulent repasser au fondamental, tu vois. Exactement, et l'ADN, c'est justement ça. Donc c'est pour ça que moi j'écoutais ton live là et je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis déjà on se connaît un petit peu, donc j'ai quand même confiance, tu vois. Et donc ouais, on va passer en privé, on va essayer de se structurer, on est du même coin. Exactement, exactement. Je suis persuadé qu'on peut essayer de faire quelque chose de bien si on a un minimum structuré. Et je pense qu'on peut être nombreux. Hein. Honnêtement, pour le coup là, je pense qu'on peut être nombreux. Moi aussi, je pense. Moi, je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui n'attendent que ça, carrément, qui n'attendent que ça, pour te dire, vraiment. Ah, bon, même des gens qui se sont mis en retrait depuis quelques temps, mais tu sais, qui attendent quand même le rebondissement, tu vois, on va dire ça comme ça. Exactement. Et ben, on va le provoquer, le rebondissement, parce qu'il était temps. On va le provoquer. Il le faut, on est d'accord sur ça. On va le provoquer. On ne peut plus rester stagnant comme ça dans les manifs à se prendre des flashballs. On ne peut plus rester… Bon, après, voilà, on était tous dans notre petites actions pour faire découvrir des choses aux gens. Mais là il faut frapper fort. Clairement, il faut frapper fort maintenant. On ne peut plus se permettre. On est d'accord. On est d'accord. Bon, je vais te laisser terminer ton live tranquillement. Ça m'a fait plaisir de passer un peu en live avec toi parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Merci. Ouais, merci à toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Et donc, on se tient au courant en MP. Ça marche. Pour le 91, enfin, on va se parler sur Messenger, mais on trouvera une autre plateforme. Ouais, non, t'inquiète pas, bien sûr. Bah, on a ce qu'il faut en plateforme. C'est pas s'il n'y a pas ce qui manque, t'inquiète pas. Vas-y, ça marche. Ouais, j'en doute pas une seconde. Vas-y, bonne soirée à toi et à tous ceux qui te suivent. Merci à toi. Ouais, salut, bonne soirée. Salut. Ah, ça fait plaisir d'avoir vu Wassaf. Effectivement, je le connais. C'est quelqu'un qui est très actif sur le terrain et franchement, respect à lui et respect à son groupe. Aussi. Et comme il dit, hein, et comme on dit tous les amis, c'est une évidence, hein, l'ADN des Gilets jaunes, l'ADN des Gilets jaunes, c'est les ronds-points et c'est les péages et c'est les blocages. Mais les blocages intelligents, on s'entend bien. Et ça depuis le début, et il fallait pas le perdre, c'est une évidence qu'on l'a perdu avec le temps. Donc on va regagner, on va essayer de revenir à ces fondamentaux de décembre, puisque si tout le monde s'en souvient bien, fin novembre, début décembre, c'était un petit peu ce qui se passait. Donc on va reprendre l'initiative les amis, on va reprendre l'initiative, on va passer à l'offensive. Alors maintenant je vais prendre la prochaine personne. Je me permets de revenir mon cher Wilson. Pourquoi rigoles-tu? Oh là, parce que à chaque fois que je vois ton image d'ananas, c'est que la pomme maintenant. Ah oui, d'accord. Oui, bah oui, parce que j'ai voulu mettre un peu de soleil au-dessus, tu vois, un peu de vitamine C. Mais en fait, si je voulais revenir. Ouais. Non, t'es possédé, sanglier, t'es complètement possédé. Oh, bah, absolument, je le renie absolument pas. Ça. Non, en fait, quand tu as parlé de retour aux sources et retour aux fondamentaux. Effectivement, alors moi je réitère, je reviens vraiment très rapidement, hein. C'est pour réitérer l'idée que j'avais émise, toujours bon de le rappeler, comme l'avait dit certains Himmler, je crois, dans l'histoire, tu répètes 1000 fois un truc et ça devient une vérité. Et en fait, moi mon idée c'était quoi? C'était que bah, les ronds-points deviennent deux choses. Un, le centre de lecture, c'est-à-dire un endroit où on échange des bouquins, c'est-à-dire que chaque samedi, tu viens, tu sais qu'il y a des gens qui ramènent des bouquins ou qui parlent de thématiques ou peu importe, et puis qui s'échangent des livres. C'est tout con, hein, ça a l'air tout bête comme ça, mais je peux vous jurer que il est très important de se former et de se reformer si on n'a pas été depuis un bon moment. Et rien ne vaut qu'une formation avec le livre. C'est le bouquin qui structure une pensée, une idée, une idéologie, etc. Donc, que les ronds-points soient le lieu de rendez-vous d'échange de bouquins. Tu vois, ce que je kiffe chez les pays anglo-saxons, même s'ils sont nos ennemis de toujours, c'est-à-dire que dans les gares, dans les aéroports ou tout endroit où il y a un passage de monde, ils te laissent des bibliothèques publiques, gratuites, où toi, quand tu finis de lire ton bouquin, tu le laisses en libre disposition. J'ai vu ça aux Suisses. Quand je suis parti faire un tour en Suisse, il y avait ça. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que les gens, en fait, mettent à disposition leur lecture et interéchangent. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et deuxième idée, c'était que les ronds-points deviennent aussi l'adresse si tu veux, l'adresse des AMAP locales. C'est-à-dire que toutes les AMAP du 91 viennent à votre rond-point et laissent, par exemple, la liste pour les gens qui veulent s'abonner à leurs AMAP. Et là, en fait, tu structures deux choses qui est la pensée et l'estomac, le cerveau et l'estomac, qui sont les deux choses moteurs chez un être humain. Tu revivifies l'esprit par le livre et tu nourris mieux ton gilet jaune. Et je peux te dire qu'au bout de 6 mois, bouquin et bonne bouffe, là tu obtiens un bon guerrier. Voilà, c'était mes deux idées que je voulais réitérer. Alors, tes idées sont intéressantes. Elles sont déjà en cours d'élaboration dans le 91 puisqu'on est en train d'y réfléchir. Notamment, on a commencé quelque chose de similaire, bon, qui n'est pas tout à fait pareil, mais il y a des petites similitudes quand même par rapport à l'échange des graines, notamment des semences paysannes. Oui. On a commencé à le faire. Ensuite, sur les livres, bah, on a un projet. On a un projet que je ne peux pas totalement divulguer ici, qui concerne les livres justement, avec des gros arrivages, et il y aura des distributions. Enfin, je ne peux pas en dire plus, mais c'est en cours d'élaboration. Maintenant que les ronds-points deviennent après on va dire des bases de ressources pour les petits producteurs, etc., c'est à réfléchir effectivement. Certains y pensaient déjà au sein des AG 91. Mais mais ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mais c'est un truc tout simple. Hein. Faut pas penser compliqué. Faut pas penser printemps comme dirait certains présidents. Il faut vraiment penser simple. C'est-à-dire que non pas, il faut pas créer une structure où tu vois ça prend de la matière grise, de la main d'œuvre, etc. Non, tu fais juste une liste, un papier, une feuille A4. Où les AMAP locales viennent et inscrivent leur numéro de téléphone ou leur adresse mail, et les gens laissent cette feuille à disposition de tous, tout simplement. Si tu veux de la data, moi j'avais une asso, je te la filerai en message privé, Wilson. J'ai tenu, tu vois Jean-Marc Ayrault, toi qui en parlais de Jean-Marc Ayrault, c'était le maire de la ville de Nantes durant X années, depuis 89 jusqu'à ce que son caniche là de Madame Roland, qui était son caniche, qui a repris le chemin. Et Jean-Marc Ayrault, en fait, on l'a fait chier parce que quand il faisait des réunions publiques, il demandait ce que les citoyens voulaient dans leur quartier. Alors nous, taquins qu'on était, on allait tout le temps le voir et lui demander des bibliothèques, tu vois. Voilà, vous nous demandez ce qu'on veut dans nos quartiers. Eh bien, moi et mon équipe, on voulait des bibliothèques, tu vois. Et ça le faisait chier. Du coup, pour que nos demandes, nos revendications soient prises au sérieux, au lieu de les demander de manière individuelle, on s'est constitué en asso et on a fait des lieux, des rendez-vous de lecture chaque mois de manière mensuelle autour d'une thématique. Et à chaque rencontre, on sensibilisait justement les gens à participer à notre revendication qui est d'installer à chaque quartier une bibliothèque. Et pour nous l'idée était la suivante, plus vous installerez de bibliothèques, plus la population, plus les gens de quartier iront peupler les grandes écoles au lieu de peupler les prisons. Puisque jusqu'à là, quand on fait le constat froid, on a énormément de terrains de foot ou de basket ou de salles de hip-hop où on fait tourner la tête en bas, mais nous, on voulait plutôt des endroits où la tête voudrait tourner en haut. Tu vois. Et en fait, on a réussi puisqu'on l'a obtenu, notre putain de bibliothèque, dans le plus grand quartier de Nantes, au bout de quelques années. Et si tu veux, on a structuré ça par un site internet où je te montre comment on faisait nos rencontres mensuelles, là, qui peuvent être appliquées de manière hebdomadaire, hein. Et ça peut être fait partout, n'importe où. C'est-à-dire que tu peux même le faire à la limite dans un comment on appelle ça, un pub, un bistrot. Tu vois, tu vas à un bistrot, les bistrots, ils ont de moins en moins de fréquentation. Eh bien, toi, tu vas voir le mec du bistrot, tu lui dis, voilà, je viens chaque mois ou chaque semaine, je te ramène une dizaine, quinzaine de personnes. Du coup, tu as un lieu gratuit. Et en échange, vous consommez du café, des boissons, ce que vous voulez. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Le propriétaire du bistrot, il gagne des clients. Et vous, qui n'avez pas un endroit où vous vous trouvez, là, pour le coup, vous en avez un et qui est plutôt convivial. Donc voilà, des idées toutes bêtes. Là, en l'occurrence, sur le territoire français, on a les ronds-points. Donc là, l'endroit, on l'a. Il n'y a plus qu'à voilà. Inviter les gens et venir échanger. T'imagines, toi, les policiers qui arrivent et qui trouvent des gens assis autour du rond-point et qui sont en train d'échanger autour de livres. C'est énorme. Ce serait énorme. Je suis sûr que les flics rejoindraient le truc. À réfléchir, mais tu sais, on a tellement de fronts différents. Moi, je suis ton idée, hein, elle est excellente, elle est juste excellente. Je pensais même moi, mettre ça sur des aires d'autoroute carrément, sur des aires de repos nationales. Tu sais, le bouquin peut amener le monde, quelle que soit leur classe, quel que soit leur niveau de lecture. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne lit jamais, il peut venir participer et écouter des gens qui lisent les livres. Les gens qui lisent des livres, au lieu de les laisser crever dans leur bibliothèque, eh ben là, ce sera une occasion pour les amener et l'échanger. Et si tu as des gens qui sont orientés que une typologie des lectures, ben là, ils peuvent venir enrichir des gens qui ne l'ont pas et vice-versa. Bref, la lecture, c'est énorme. C'est vraiment la base de tout. Tu prêches un convaincu, hein. Ça existe déjà dans certains quartiers, hein. Il y a eu une expérience à Aulnay-sous-Bois, j'avais lu ça il n'y a pas longtemps. Un café près d'une gare ou un truc comme ça qui a fait cette expérience et conclusion, maintenant tu as plein de jeunes de quartier qui viennent présenter leurs fiches de lecture. C'est assez exceptionnel, hein. C'est assez exceptionnel. Bah, frérot, moi quand je faisais les miens, t'imagines, tu avais un mec qui revenait c'était un carrossier, donc il venait, t'imagines, les vêtements tout plein de peinture parce qu'il n'avait pas le temps d'aller chez lui changer et tout, donc il venait, tu avais un mec qui était taulier à côté d'un avocat qui venait de son cabinet et ils échangeaient sur la thématique, c'était notre histoire de France. C'était magnifique. Enfin, des moments comme ça, j'en vois nulle part en France, tu vois. Donc autour du livre, c'est là où tu vois la puissance du bouquin. C'est-à-dire qu'un livre peut t'amener des gens complètement hétéroclites, quelle que soit leur classe, leur manière de penser, leurs idéologies, etc. Et c'est avec ça qu'on pense. Mon ami, il faut qu'on reste sur le sujet de ce soir parce que c'est un sujet trop vaste ce que tu dis et je l'entends bien. Je l'entends bien, mais… Autoroute, il n'y a pas de souci. Faisons ça sur des aires d'autoroute. Voilà comment je te le dis. Voilà, essayons de mettre le lien, tu vois, en même temps. Mais ceci dit, oui, mais ça, moi, ton truc, je me suis absolument persuadé. La guerre culturelle, il faut la gagner. Moi, dans la France future, pour moi, hein, les musées devront être gratuits, les bibliothèques gratuites et les livres. Et pour moi, je mettrais une loi où les livres ne dépasseraient pas 10 euros. C'est scandaleux de payer un livre plus de 10 euros. C'est juste scandaleux. Et je peux en ajouter une, Wilson? De quoi? Je peux t'en ajouter une. Les bibliothèques, au lieu de les fermer aux heures de fonctionnaires, c'est-à-dire 8h, 16h, 17h, eh bien, faisons comme les anglo-saxons. C'est-à-dire que tu mets une activité de restauration à côté, tu vois, et tu ne fermes jamais les bibliothèques, 24-24. C'est-à-dire comme ça, même pendant les périodes d'examen, tu as tous les élèves, tous les étudiants, ils peuvent venir réviser à n'importe quelle heure. Entre potes, tu peux même te faire une nocturne à la bibliothèque. C'est ce qui existe chez les anglo-saxons. Tu as des bibliothèques 24-24. Bon, tu ne peux pas les faire toutes, mais on va dire une grande bibliothèque municipale de la ville, la plus importante, tu la fais 24-24. Et ça, c'est énorme parce que tu peux la dynamiser avec une activité économique, avec un bar, un restaurant, je sais pas, n'importe quoi à côté. Et ça peut être une excellente… Mais vraiment, si on harcèle nos maires, on peut très bien avoir tu vois, des 3-8 de bibliothèques. Et ça peut très, très bien fonctionner. Chose qui n'existe pas malheureusement chez nous. Alors, je vais faire une petite pause, si tu me le permets. Les amis, je vais faire une petite pause. Je vais préparer un petit thé. On se retrouve dans 10 minutes, d'accord? Je reprends le live dans 10 minutes. Je coupe et je reprends le live. Donc, merci à vous. C'est quoi ça encore, ça? T'as un thé avec du citron et des restants d'ananas. Ah, machallah. Ah, toujours l'ananas, toi, hein. Toujours là. Moi, tu sais, une fois qu'on y goûte… Voilà, les amis. Allez, je vous dis dans 10 minutes, hein. On se refait une petite pause et on reprend le live dans 10 minutes pour continuer à parler des autoroutes. À tout à l'heure. Salam, ciao, ciao. À tout de suite, les amis.